C'est Banana, et presque là, c'est son boxeur.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 15 février 2024, il est exactement 20h03, vous êtes sur la chaîne de The Banana, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin du coup, pour ceux qui étaient avec leur Valentin ou leur Valentine, en tout cas j'espère que vous allez bien, et coucou Kirito, comment tu vas?
Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et passé une bonne journée aujourd'hui. Moi ça va. Ça a été un peu le bordel aujourd'hui au boulot parce que ben en fait on s'est fait dévaliser hier. Mais quand je vous dis dévaliser, c'est que en gros ce matin je suis arrivé, il n'y avait plus un gâteau en rayon. Il restait dans un rayon il restait 0 gâteau et dans l'autre rayon il restait 3 gros gâteaux. C'est tout. Voilà. Comment vous dire que ça a été la course parce que en plus aujourd'hui c'est un il y en a un qui est de repos donc du coup c'est vrai que c'est compliqué. Yuyu qui s'est mis en vocal, il m'a dit qu'il aura besoin de moi. Ok, bah on ira lui parler après, mais on, bien sûr on va faire notre petite truc habituel, c'est-à-dire on va parler un tout petit peu d'actualité et en l'occurrence une actualité qui est assez rare dans le monde du jeu vidéo pour en parler, c'est-à-dire nous ne sommes pas tolérés d'être traités comme des objets. Les employés d'Ubisoft sont furieux et le font savoir. Et oui, grève chez Ubisoft. Donc du coup, bah, c'est assez rare qu'on entende que le monde du jeu vidéo se met en grève. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Et donc du coup, on va lire cet article. Les syndicats appellent les employés d'Ubisoft à la grève aujourd'hui. Une grève nationale a lieu chez Ubisoft aujourd'hui. Les syndicats du jeu vidéo se sont mobilisés et ce mouvement social pourrait bien être suivi par de nombreux travailleurs, car l'éditeur est particulièrement critiqué en interne. Nous ne sommes pas tolérés d'être traités comme des objets. Nous ne pouvons pas tolérer d'être traités comme des objets pour atténuer leurs mauvaises décisions. Les employés d'Ubisoft en France s'apprêtent à faire entendre leur mécontentement à travers une grève nationale prévue aujourd'hui. Cette mobilisation fait suite à des négociations annuelles décevantes, où la direction a proposé des augmentations de salaire bien en deçà de l'inflation pour la deuxième année consécutive. Malgré les excellents résultats financiers de l'entreprise, les syndicats, tels que le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, la STJV, sont à l'origine de ce mouvement social. Depuis le dépliant public par trio syndical composé de STJV, Solidaire Informatique et FIECI, d'accord, ça aurait été sympa qu'ils nous disent ce que c'est la FIECI, mais bon, appelant au rassemblement pour de meilleures rémunérations, on peut lire. Notre employeur a bénéficié d'un revenu monumental lors des confinements successifs. Nous ne pouvons pas. Hola. Olé. Merci beaucoup Ratonio pour ton resub et pour ton sixième mois. Merci beaucoup. Et coucou, comment tu vas du coup? Donc, notre employeur a bénéficié d'un revenu monumental lors des confinements successifs. Nous ne pouvons pas tolérer d'être traités comme des objets pour atténuer leurs mauvaises décisions. Profitons de la journée traditionnelle dédiée à la passion pour faire savoir à notre employeur que notre vocation pour ce métier n'est pas un prétexte pour nous traiter comme des meubles. Eh ben, écoute, moi ça va. Là tu vois bah, on lit un petit peu un article parce que les employés de Ubisoft se mettent en grève à partir d'aujourd'hui. Bah, au moins aujourd'hui ils étaient en grève apparemment. On ne sait pas pour combien de temps. On est en train de lire l'article justement. Et puis après il y aura un autre petit article sur le jeu qu'on va faire ce soir.
Et le jeu qu'on va faire ce soir s'appelle Palworld. Et un petit article là-dessus. Donc voilà, on lit deux petits articles et puis après on va aller tranquillement sur Palworld. Et puis j'ai passé l'après-midi à me détendre. Parce que ce matin, j'ai couru comme un con au boulot parce que ben on s'est fait dévaliser avec la Saint-Valentin, mais quand je te dis dévaliser, c'est vide de chez vide. Donc du coup on a bien couru ce matin, cet après-midi je me suis détendu un petit peu et puis là on stream un peu, voilà. Et oui, intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu absolument le lire aujourd'hui, parce que c'est assez rare. Le chat, il va me... Oh ! Tu vas me tuer, toi ! Tu me fatigues. C'est assez rare qu'il y ait des grèves dans le monde du jeu vidéo, et généralement, quand une corporation se met en grève, c'est la corporation entière, c'est pas qu'une petite entreprise. Bah, une petite. Ubisoft n'est pas une petite entreprise, mais vous m'avez compris. C'est pas qu'une seule entreprise. C'est généralement la corporation complète. Que là, c'est vraiment ciblé. C'est-à-dire que c'est Ubisoft qui est vraiment ciblé à ce niveau-là. Les employés voudraient des projets à taille plus humaine. Mais ce n'est pas ce vers quoi Yves Guillemot se dirige. Ouais, 21 000 employés apparemment. Eh ben écoute, tu vois, ben on va voir. Les revendications des travailleurs sont claires. Ils demandent une augmentation générale de 5% pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Pourtant, la direction d'Ubisoft n'a offert que des augmentations de 2 à 3%, justifiant cela par des objectifs de réduction des coûts arbitraires. Cette proposition serait perçue comme une insulte par les employés, qui estiment que leur contribution au succès financier de l'entreprise mérite une récompense plus significative. D'autre part, la rémunération n'est pas le seul souci. Dans un entretien avec Game Cult, des représentants des employés d'Ubisoft, Clément d'Ubisoft Montpellier et Vincent d'Ubisoft Paris, expliquent qu'il s'agit aussi de conditions de travail et de santé mentale pour les travailleurs. Ah ouais, wow, ils ont fait un pavé là. Ok, on lit, j'ai dit je lis l'article. Hein. Concernant spécifiquement Ubisoft Montpellier, vous venez de publier Prince of Persia, The Lost Crow. Est-ce que les équipes ont subi du crunch durant le développement? Clément répond: je suis passé par Beyond Good and Evil 2 avant d'atterrir sur Prince of Persia. Et je peux dire que ce dernier projet s'est clairement mieux déroulé que d'autres. Par contre, oui, il y a eu du crunch. Certaines personnes ont accumulé beaucoup d'heures supplémentaires. Le jeu est sorti dans un état qui est plutôt bien, mais les développeurs ont toujours envie de peaufiner au maximum. Ce qu'on demande, c'est le temps et les moyens pour travailler de mieux possible. Mais au bout d'un moment, chez Ubisoft, vous devez rentrer dans le cadre d'une année fiscale. Ça verrouille votre date de sortie et c'est dur d'obtenir des délais supplémentaires. Je voudrais préciser qu'à Montpellier, beaucoup de travailleurs sur Beyond Good and Evil 2 demandent à bosser sur des projets comme Prince of Persia. Certains collèges planchent sur BGE 2, donc Beyond, voilà, celui, depuis 5 ans, 7 ans. Ils ont passé toute leur carrière dessus. Ils n'ont jamais pu sortir un jeu, un seul jeu. Donc, ils regardent le projet d'à côté avec envie. Le CSE a lancé une alerte de danger grave et imminent quant aux bienfaits au travail sur BGE2. Et l'inspection du travail a mené une enquête il y a de ça un an et demi.
nous voudrions d'autres créations comme The Lost Crown pour éviter d'enchaîner les triple A. Les gens ont besoin de perspectives d'avenir, de ne pas stagner sur les mêmes jeux durant 4 à 5 ans, d'un genre de roulement avec des projets à taille plus humaine. Mais ce n'est pas ce vers quoi Yves Guillemot se dirige dans ses derniers communiqués. Il déclare plutôt vouloir accélérer sur les quadruple A, ce qui est très inquiétant quant aux risques psychosociaux. Pouvez-vous définir les risques psychosociaux et leurs importances ? Vincent répond : Les risques psychosociaux, c'est tout ce qui peut engendrer une dépression, de l'anxiété, bref, des blessures psychologiques. C'est omniprésent dans le jeu vidéo. Souvent, quand il faut expliquer nos luttes sociales dans notre secteur, on va vous répondre « Ouais, vous vous battez pour des salaires et tout, mais vous faites déjà un métier cool. » Et c'est vrai qu'il est cool, mais justement, les travailleurs qui font ce métier sont venus pour chercher une espèce de satisfaction, une espèce de fierté. En fait, on a à voir... à avoir bossé sur un jeu bien fini. Chaque dégradation de nos conditions de travail engendre des risques psychosociaux. Tu vas retrouver des gens en larmes, des personnes en grave situation psychique, parce qu'ils n'arrivent simplement pas à travailler. Il y a une telle désorganisation, un tel chaos, de si mauvaises décisions. C'est très dur pour l'état mental des travailleurs qui sacrifient beaucoup pour leur production, qui dure de plus en plus longtemps. Ils ont l'impression de faire du surplace ou de se jeter dans un mur en disant « on va se le prendre, on ne peut rien faire ». Ubisoft dans Node. Les employés des studios et éditeurs français déterminés à faire valoir leurs droits. Dans un communiqué, les syndicats ont souligné l'absurdité de la situation, déclarant « Une entreprise qui continue à faire des bénéfices, même lorsque les dirigeants ont échoué à plusieurs reprises, choisissent de faire payer ses employés pour augmenter ses profits, est tout simplement inacceptable. » Cette grève est donc plus qu'une simple demande d'augmentation. C'est un cri de ralliement pour le respect et la reconnaissance de leur valeur du travail des employés. La mobilisation des travailleurs d'Ubisoft France s'inscrit dans un contexte plus large de prise de conscience des conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo. Les problèmes de surcharge de travail, de pression constante, de projets qui durent indéfiniment, et essore l'esprit de leurs développeurs et leurs artistes. Et de mauvaises conditions salariales sont devenues monnaie courante, et les employés sont de plus en plus déterminés à faire valoir leurs droits. D'ailleurs, Ubisoft est loin d'être le seul dans cette situation. Un rapport accablant publié par le STJV révèle une série de problèmes internes critiques au sein de Dontnod, impactant le moral et le bien-être des employés. Parmi les préoccupations majeures figurent là aussi les directions contradictoires émanant des principaux décideurs, les changements de délai sans préavis, ainsi que la réorganisation chaotique des équipes sans vision à long terme des projets. Des révélations troublantes montrent que des décisions cruciales, telles que le retard significatif du jeu Banisher Ghost of the New Eden, ont été annoncées aux développeurs seulement 30 minutes avant le grand public, mettant en lumière un manque de transparence et une prise de décision
erratique au sein de l'entreprise. De plus, la dissolution de l'équipe travaillant sur Jusan suite à un échec commercial et les conséquences sur le moral des équipes mettent en valeur la situation tumultueuse au sein de Dontnod Entertainment. Le prochain jeu à apparaître d'Ubisoft est Skull and Bones, qui sort après-demain. Apparemment a énormément de critiques, hein, quand même, pour le moment. J'ai entendu plus que de critiques que de bonnes choses. Hein. Alors, après, est-ce que c'est le jeu qui n'est pas bien du tout? Est-ce que c'est parce que les développeurs n'ont pas eu assez le temps? Et donc, du coup, sont obligés indirectement de bâcler leur travail. Et ça, c'est monnaie courante dans le jeu vidéo. Ça, on le sait bien. Mais si les employés commencent à se révolter un petit peu à ce niveau-là, ça peut être bien. Après, je prends un exemple qui me concerne moi directement, c'est Casino. Moi, je viens d'arriver dans une entreprise qui s'appelle Casino en septembre, comme vous le savez. Chez Casino, ce qui se passe, c'est que la direction nationale a fait que des âneries depuis quelques années, à se casser complètement la gueule, à avoir plus de 7 milliards de dettes au sein de l'entreprise, de jamais réussir à faire du bénéfice, de plus à réussir à faire du bénéfice, donc que des états catastrophiques. Et derrière, vous avez des employés qui sont dans les magasins, qui continuent quand même à travailler, même si leur morale, il est à zéro. C'est-à-dire que là, en fait, pour certains magasins, alors attendez. Pour certains magasins, en fait, tout simplement, là, Auchan a racheté une partie des magasins. On sait que Intermarché a racheté une autre partie des magasins. Carrefour s'est mis sur une partie aussi des magasins. Mais actuellement, à l'heure que je vous parle, il y a une trentaine, c'est un petit peu moins de 30, mais on va dire une trentaine de magasins qui ont un délai jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que si en décembre 2024, ils n'ont pas retrouvé repreneur, c'est fermeture du magasin. Comment voulez-vous que la pression ne soit pas présente? Et même pour les entreprises qui sont déjà rachetées et qui ont sait que nous, à partir du 1er juin, on passe au champ, et ben, y a une pression quand même, dans le sens où on ne sait pas chez qui on arrive. On connaît l'état actuellement de l'entreprise, qui est très mauvaise, on le sait très bien. Hop, attendez, je regarde juste un message que ma sœur m'a envoyé. Ok, je vais regarder. Oui, donc du coup, effectivement, c'est quand même une pression derrière parce que on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer à partir du 1er juin, comment vont être gérées les équipes, comment vont être gérées tout ça, parce que du coup c'est un rachat, on ne connaît pas du tout en plus. On ne connaît pas du tout. Dans notre entourage proche, il n'y a personne qui a travaillé chez Auchan ou très peu de personnes, donc c'est un peu compliqué aussi d'avoir les retours. Et puis même s'ils ont travaillé chez Auchan, le truc qui se passe c'est que là c'est un rachat, donc il va y avoir des accords entre les syndicats et l'entreprise Auchan, et en plus avec aussi encore Casino qui doit gérer tout le bordel à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est ça, là c'est une pression qui est différente, attention, je dis pas que c'est ce que vivent, mais c'est une pression qui est différente. Parce que là, tu as le moral qui est à zéro. Quand tu changes de date
ou d'heures, ou que tu annonces des choses à la dernière minute à tes équipes et que c'est pas prévu, c'est chiant. Je suis le premier concerné. Quand on me dit un truc et que 10 minutes après, on me dit un autre truc, ou l'inverse, ou alors quand on me dit un truc, ah, je sais pas quoi faire, je sais pas machin. C'est vrai que c'est chiant. À un moment donné, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas, en tant que responsable, tu ne peux pas dire toutes les 5 minutes, non mais on va faire comme ça, puis 5 minutes après, ah bah non mais on va faire comme ça, et puis 5 minutes encore après, ah non mais en fait la première décision que j'avais prise elle était bonne. Et il faut que tu prennes une décision, il faut que tu choisisses. Alors je dis pas que moi j'étais blanc blanc quand j'étais responsable, parce que des fois bah, c'est vrai que t'hésites quand même et puis tu te dis bon on fait comme ça, et puis si ça marche pas bah, on essaye différemment. Mais voilà, c'est à un moment donné, il faut que tu donnes aussi à ton équipe en disant « Bon, aujourd'hui on fait comme ça, on voit si ça passe ou pas. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, on verra pour modifier le truc. » Et puis c'est tout. Et comme ça, au moins, bah, tu sais comment avancer, un minimum. Tu te dis « Bon, on sait que ça peut changer, mais bah, on va essayer que ça change pas. » Là, quand ils te disent « On a été annoncé aux développeurs 30 minutes » avant le grand public. En gros, c'est réunion. Ok, bon les amis, là la décision c'est on reporte. On retarde Banisher Ghost of the New Eden là, parce que bah, parce que ça va pas, donc on reporte à telle date par exemple. Ok, et une demi-heure après, t'apprends qu'en fait le grand public est déjà au courant. Tu te dis, mais en fait, ils le savaient déjà, ils nous ont prévenu parce qu'ils allaient prévenir le grand public, parce que bah, forcément, il y a des gens qui attendent derrière. T'as une attente, hein, donc forcément, si t'as des précommandes ou des choses comme ça, forcément, les gens, ils attendent ce qu'ils ont payé, ils attendent de voir sortir le jeu, de ça, machin. Et en fait, c'est là où est le problème. C'est qu'en fait, vous avez trois gros principaux intervenants dans les sorties de jeux vidéo de ça machin. Vous avez en premier bah, la direction des entreprises qui prennent des décisions parce que ils regardent leur chiffre d'affaires, parce qu'ils regardent les bénéfices, parce qu'ils regardent tout ça. Et donc du coup, eux, leur but c'est de faire le maximum de bénéfices. Donc on va essayer de sortir les jeux le plus vite possible parce que ça va permettre de pouvoir vendre. Et puis si on sort plus de jeux, bah on vend plus de jeux, donc plus on vend de jeux, plus on génère d'argent, et ainsi de suite. Après, t'as les développeurs. Les développeurs qui vont dire, oui mais attendez, moi pour sortir tel jeu, il me faut tant de temps. Je me mets à leur place, j'aurais pris ça pour un manque de respect de la part des gens. Ben oui, non mais à un moment donné, et en plus de ça, oui, non mais tout à fait. En fait, le problème qu'il y a, c'est que on te prévient à la dernière minute, c'est pas normal. Je suis désolé, à un moment donné, tu c'est toi qui fais le jeu. Donc, la direction décide bah, de reporter pour X raisons, on s'en fout. Parce que peut-être qu'ils se sont aperçus que le jeu n'était pas encore prêt. Donc, le directeur, le responsable développeur a peut-être dit à la direction, attendez, là, c'est pas possible. On peut pas sortir un jeu dans cet état-là, on va se prendre une tollée. Vous avez vu tel jeu, par exemple, ce qui s'est passé. Donc, vaut mieux reporter, faire un report. Et comme ça, au moins, on peaufine le jeu et on sort le jeu bien. Bon, peut-être que la direction s'est dit, bon, effectivement, là, on a trop déconné. Ok, on accepte le report. Le premier cas, c'est que tu préviens tes équipes. Et après, seulement par la suite, tu préviens le truc. Mais là, non. Ben oui, tu les préviens bien après. Tu les préviens pas juste 30 minutes après. C'est tu les préviens, tu préviens ton équipe, tu dis voilà, bon ce jeu là on va le reporter, on fera l'annonce lundi ou même demain, tu vois, mais un truc comme ça, rien que même le lendemain, on fera l'annonce le lendemain, comme ça ça nous laisse le temps de voir les délais, parce que c'est pareil, comment tu peux dire à un moment donné, comment tu peux dire on reporte, ok, et si t'as un public derrière, de dire bah on reporte. On sait pas quand, hein. Démerdez-vous. Hein. Alors, à un moment donné, justement, tu dois organiser une réunion, discuter avec tes équipes, dire, ok,
on va reporter le jeu, parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas le sortir comme ça, c'est pas possible, pour X raisons, ou peut-être même que c'est une raison fiscale aussi. Attention, hein, ça peut être une raison fiscale, on a engendré trop d'argent là, on va le reporter de quelques semaines ou de quelques mois, et comme ça, ça va permettre de passer sur l'autre exercice fiscal, et donc on temporise les exercices fiscaux. C'est tout à fait possible, et je peux l'entendre. Attention, je suis pas débile, j'ai été chef d'entreprise, je sais ce que c'est aussi. Donc je peux l'entendre qu'ils disent, bah, en fait, votre jeu là, il est peut-être prêt, hein, mais on va le peaufiner encore un peu plus, et puis comme ça, on le sortira plus tard, comme ça, au moins, on passe sur l'autre exercice fiscal. Mais ça, c'est une réunion que tu dois faire avec tes équipes, dire, voilà, voilà la décision que nous, on prend. Par contre, il faut qu'on voit ensemble, quand on va l'annoncer au public, pour savoir dans combien de temps, les dates, le projet, jusqu'où on va, et ainsi de suite. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ah bah non, mais ça y est, on a décidé de le modifier. Vous m'appelez la presse, vous leur annoncez que le jeu, on le reporte dans un truc. En gros, ça a été presque ça, quoi. Ça a été... en gros, ça a été... réunion, on reporte... Et le mec, la direction, elle était déjà en même temps au téléphone avec la presse pour dire c'est bon, vous pouvez annoncer le report. Le temps que la presse fasse ses papiers en disant annonce du report de tel jeu, bah voilà, ça fait 30 minutes. Hein. Désolé, hein, mais bon, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça c'est le problème, hein. C'est le problème. Vous savez, comme je disais, donc vous avez quand même trois acteurs principaux qui sont donc dans un premier temps les entreprises qui doivent gérer leur business, et ça je l'entends, il n'y a aucun souci, hein. Comme je dis, j'ai été chef d'entreprise, je sais ce que c'est aussi de gérer un business, donc bah, à un moment donné, tu regardes aussi tes sous, tu, même si les employés, tu veux et au maximum leur bien, à un moment donné, tu peux pas non plus faire que par rapport aux employés. À un moment donné, il faut temporiser le truc. Mais voilà, déjà, tu as les entreprises. Deuxièmement, tu as les développeurs et les employés qui, eux, veulent le maximum quand même. Ils veulent essayer de tirer le maximum de ce qu'ils peuvent de l'entreprise. Et ça, je l'entends. Il n'y a aucun problème. C'est normal. Tout le travail mérite salaire et le mieux payé possible. Et derrière, il y a les clients. Donc, quand tu as... trois équipes qui travaillent pas dans le même sens, eh ben, quoi qu'il arrive, c'est pas possible. Il y a un bug quelque part. Soit c'est les clients qui vont vouloir des jeux régulièrement et pas cher. Soit c'est les entreprises qui vont vouloir tirer au maximum le profit de leurs salariés pour sortir le maximum de jeux et le plus cher possible pour pouvoir les vendre. Et au milieu, t'as ces putains d'employés qui disent « Mais attends, les clients, ils me cassent les couilles parce qu'ils veulent des jeux tout le temps. Et en plus de ça, ils nous critiquent sur les jeux qu'on sort. Et de l'autre côté, ma direction, elle me casse les couilles aussi. Parce qu'en fait, elle veut que je sorte de plus en plus de jeux plus rapidement. Mais c'est pas possible. À un moment donné, c'est un chat qui se mord la queue, quoi. Donc, c'est ça aussi. C'est qu'on est de plus en plus demandeurs. Et moi, je l'ai vu par rapport à ma boulangerie. Vous remontez pour les plus anciens. Mais prenez même des photos. Je pense que... tiens, si on tape. Photo boulangerie années 80. Est-ce que là, on voit bien? Est-ce que là on verrait bien cette image? Voyez, bah, c'est pas compliqué. C'était une boulangerie, biscuiterie. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez en rayon? Vous voyez 1, 2, allez, 3. Il y a l'air d'avoir 3-4 produits différents ici. Et pareil, 3-4 produits différents ici. Maintenant, on va faire la même chose. Est-ce qu'on peut voir un rayon ?
Alors, on peut pas voir la photo. Bon. On peut pas voir la photo que je voulais voir. Mais en gros, là, bah, rien que là, vous avez déjà 5 fois plus de produits que la boulangerie d'il y a, des années 80. Alors oui, je comprends. Attention. Que. On a créé beaucoup plus de recettes, on a développé beaucoup plus de choses, on a découvert beaucoup plus de techniques, je l'entends. Mais à un moment donné, on ne peut pas demander à avoir à la fois de la qualité, à la fois un tarif intéressant et à la fois une diversité de produits. Il y a un problème qui va se passer à un moment donné. Si on veut de la qualité, ben, il faut qu'on puisse fabriquer de la qualité. Et pour fabriquer de la qualité, il faut se focaliser sur le produit et faire le produit dans les temps qu'il faut, avec les matières premières qu'il faut. Ensuite, vous avez la diversité des produits. Si vous avez trop de diversité des produits, c'est techniquement impossible de tout faire. Ou alors, vous avez une énorme équipe derrière, mais du coup, l'entreprise, au bout d'un moment, elle n'est plus assez rentable. Donc, en fait, vous avez tout ce truc-là encore. C'est le même principe, c'est un chat qui se mord à la queue qui fait que plus tu as de diversité, moins tu vas pouvoir fabriquer, moins tu fabriques, moins tu as de qualité, plus tu as de produits. Et c'est pour ça que maintenant dans les boulangeries-pâtisseries, eh ben, il y a beaucoup moins de fabrication qu'avant. Et en plus de ça, alors attention, not all, hein. C'est pas une généralité. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui arrivent à s'en sortir, qui font une diversité de produits assez intéressante, mais quand vous voyez dans certaines boulangeries une multitude de produits différents, mais vraiment quand je dis différent, c'est différent parce que faire un éclair, moi je peux vous faire un éclair et vous le diversifier, vous le diversifier sur 50 produits différents. Parce qu'en fait, vous allez faire l'éclair vanille, chocolat, café, praliné, pêche, banane, poire. Et il y a des entreprises qui se sont spécialisées comme ça, en disant, bah, en fait, nous, on va faire un produit unique. Mais par contre, on va le faire bien. Et après, on diversifie en différents goûts. Et c'est là, vous pouvez avoir un produit qui est de qualité, puisque en fait, c'est la même préparation de base. Et après, c'est des modifications qui viennent derrière, qui vont beaucoup plus vite à faire. Mais quand je prends. Des sablés, là je regarde là, des sablés, des palmiers, des viennoiseries style croissant, pain au chocolat ou pain raisin. Tout ça c'est des pâtes différentes, tout ça c'est des préparations différentes, complètement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Vous faites pas un palmier avec une pâte à croissant, et vous faites pas un sablé avec une pâte feuilletée. Donc, vous voyez, et c'est ça le problème, c'est qu'on diversifie beaucoup trop, et moi, je pense que, voilà, après ce que moi j'ai vécu, j'ai vu mon erreur de vouloir trop diversifier, et bah, au bout d'un moment, bah, j'étais obligé de prendre des produits en surgelé, puisque je travaillais une période, j'ai travaillé seul derrière mon entreprise, pas tout le temps, bien sûr, j'ai eu des employés aussi, et de la famille. Et de la famille, excusez-moi, je lisais un message que je recevais. J'ai eu donc des employés hors famille et j'ai eu des employés familiales. Qui ont permis de pouvoir développer certains trucs, ça machin, mais c'est vrai que, bah, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et ça, moi, l'erreur que j'avais, c'est une des erreurs que j'ai fait quand j'étais plus jeune et quand j'avais mon entreprise, c'est de vouloir dire toujours oui au client. Et à un moment donné, dire toujours oui au client, ce n'est pas possible en fait, parce que après vous n'avez plus de vie, parce que après bah, vous êtes obligé d'adapter vos tarifs en fonction des différents produits que vous faites à vos différents clients, et puis que bah, de toute façon, bah, à un moment donné, tu es obligé aussi de t'aligner sur ta concurrence, parce que tu as les concurrents qui sont bah, soit pas chers, soit pas assez chers, soit machin, et qui n'ont pas le même débit, et donc du coup qui peuvent se permettre d'être moins chers que toi, mais. Et, ou alors pas la même qualité. Donc à un moment donné, tu as tout ça qui vient prendre en compte et bah, c'est littéralement plus possible, quoi. Donc c'est le même principe dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que si on sort un jeu par jour, vous ne pouvez pas sortir une qualité. C'est impossible. Ça prend trop de temps à développer un jeu, ça prend
trop d'énergie à développer un jeu, et surtout il faut quand même pouvoir suffisamment tester ton jeu pour voir savoir si à la fois il est bien équilibré, à la fois il n'y a pas trop de bugs, pas trop, parce que il y a toujours des bugs, on le sait très bien, on est dans de l'informatique, il y a toujours, on ne sait pas pourquoi, en plus même les développeurs, mais n'importe qui sera incapable de te dire pourquoi certains ont certains bugs et d'autres n'ont pas de bugs, alors qu'ils ont les mêmes configurations, ils ont le même débit internet, et au final, t'en as un qui a un bug et l'autre qui n'a pas de bug. Va comprendre pourquoi. Eh ben oui, mais le but c'est d'après de résoudre ces bugs, parce que quand il y en a un qui a un bug, c'est la merde. Mais c'est vrai que c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Mais voilà. Donc, voilà. Force à toutes les équipes d'Ubisoft, en espérant que ils revoient un peu leur copie à tout niveau, que ce soit au niveau des jeux, au niveau des dates de sortie, au niveau de tout ce qui tourne autour des demandes des salariés. Puis on verra bien ce que ça donne. On en reparlera. Bon allez, autre petit article. Autre petit article, c'est déjà la fin du carton de Palworld. Le monde ouvert perd plus d'un million de joueurs en quelques jours. Alors que Palworld a débuté l'année en beauté, en créant un véritable phénomène, il semble s'essouffler en perdant plus d'un million de joueurs en peu de temps. L'année 2024 a commencé avec un jeu vidéo qui fait sensation sur Internet. Palworld. Malgré la polémique concernant ces créatures nommées Pals, qui ressembleraient à des Pokémon, les joueurs du monde entier apprécient ce monde ouvert. La spécificité de ce titre réside dans le fait que vous pouvez capturer d'adorables Pals pour les faire combattre ou vous aider à améliorer votre camp. Facile à prendre en main et donnant véritablement envie de capturer tous les Pals en explorant un vaste environnement. Il n'en a pas fallu plus pour conquérir un très grand nombre de joueurs. Le plus étonnant avec le succès de Palworld, c'est qu'il n'est sorti qu'en Early Access. Autrement dit, ce titre est loin d'être complet et contient de nombreux bugs que Pocket Pair s'efforce de résoudre, mais parvient à marquer les esprits. Néanmoins, des internautes ont remarqué une grosse baisse de popularité entre la semaine dernière et cette semaine. Plus d'un million de joueurs ont arrêté de jouer à Palworld. Est-ce la fin du phénomène? Non, je te coupe le son, s'il te plaît, merci. Palworld a perdu plus d'un million de joueurs. Alors que Palworld avait atteint des sommets plus qu'impressionnants pour une nouvelle licence qui vient d'apparaître, les statistiques sur SteamDB annoncent une grande baisse de popularité. En quelques jours, plus d'un million de joueurs ont arrêté de jouer sur Steam, ce qui peut sembler alarmant. Toutefois, il faut prendre en compte que Palworld avait atteint des records si hauts qu'il est tout à fait normal qu'il soit un peu moins populaire. Qui plus est, même en perdant un million de joueurs, il rassemble toujours un grand nombre de fans à travers le monde. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il se place à la troisième place des jeux vidéo les plus populaires sur Steam, après les indétrônables Counter-Strike et Dota 2. Certains semble l'oublier, mais Palworld est également disponible sur Xbox, notamment via le Game Pass, et que Steam ne représente pas la totalité des joueurs de ce titre en monde ouvert. En bref, cette perte de joueurs est loin d'être alarmante, surtout que les développeurs de Pocket Pair cherchent de nouveaux employés pour être encore plus efficaces dans les correctifs et sûrement proposer du contenu inédit pour le courant de l'année 2024. Et oui, tout de suite, bien sûr c'est jeuxvideo.com, hein, on connaît le truc, tout de suite, est-ce que c'est déjà la fin? Non, c'est pas la fin.
un jeu qui est à la fin, c'est un jeu qui est pas beaucoup monté ou qui est même très 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 monté et qui d'un coup se casse la gueule et où il n'y a plus un seul joueur. Bon, comme l'a dit jeuxvideo.com, par contre, à le 15, donc c'est aujourd'hui à midi, d'accord, il était troisième. Bon, ce soir, à l'heure qu'on parle, actuellement, il est toujours troisième. Alors certes, oui, il a perdu plus d'un million de joueurs. Mais en attendant, il est toujours troisième. Troisième des jeux les plus joués sur Steam actuellement. N'oublions pas que à un moment donné, nous avons un jeu qui est sorti, comme ils l'ont dit, en early access. Il n'est même pas fini. Forcément, les joueurs, et on a pu le voir, on est les premiers en tant que streamer de ce machin à avoir spammé le jeu, on est assez vite monté. Nous, on a en plus, quand je dis nous, c'est les zinzins. On a recommencé à plusieurs reprises. Pour ma part, j'ai commencé en solo. Après, on est passé sur Steam. On a commencé, j'ai commencé une survie en solo. J'ai repris en me disant, bah ouais, mais en fait, on va avoir le serveur tous ensemble, donc je vais m'arrêter sur ma survie seule, donc je vais le reprendre sur le serveur. On a commencé sur le serveur, ça a pas mal tourné pendant un certain temps, puis après moi j'avais trop de bugs, jusqu'à un coup j'ai perdu tous mes pales, et là ça m'a fait chier, donc du coup je me suis dit stop, là j'en peux plus des bugs, donc forcément, après attention, hein, je mets pas la faute sur Palworld en général, c'est un early access, on le sait très bien que quand c'est des early access, il y a des bugs en pagaille, et que justement, c'est pour ça qu'ils ne le sortent pas en release, ils le sortent en early access. Mais en attendant, voilà, c'est un jeu qui demande que à se développer encore, et qui n'est pas fini, dans le sens où, sur les 24 dernières heures, il y a quand même 500 000 joueurs qui ont joué. Quand on regarde par rapport aux autres, ils se placent toujours troisième, même dans le pic des joueurs. Donc à un moment donné, non, c'est pas si dégueulasse que ça. Par contre, c'est vrai que là, quand on regarde les jeux qui sont là, effectivement, vous avez quand même des vieux jeux, des Counter-Strike, des Dota 2, des PUBG, des Apex Legends, des GTA 5, des Rust, des Call of Duty, Team Fortress 2, voilà, c'est des jeux, War Thunder, je sais pas plus que ça, il est sorti en quelle année, 2013, donc War Thunder aussi, mais c'est des jeux qui, eux, bon, datent, mais ont toujours leur public, et auront toujours leur public, qui sera derrière, et puis de temps en temps, ça augmente, et puis de temps en temps, ça rediminue, mais ils ont toujours leur public derrière. Là, effectivement, c'est un nouveau jeu, mais dans cette liste-là, vous avez Palworld, qui est sorti le 19 janvier, Helldiver, qui est sorti le 8 février, donc là, on va dire, c'est là, Helldiver, ils sont dans leur pic, parce que ils ont les streamers qui ont fait éventuellement de la pub dessus, ils ont tous les joueurs qui l'attendaient, qui ont voulu l'acheter, tout ça, machin. Donc là, techniquement, un 15 février, donc quelques jours après la sortie, t'es plus ou moins au pic où tu vas encore monter un petit peu, mais voilà, en gros, tu fais ton pic sur la première semaine, on va dire, à peu près. Généralement, c'est ce qu'on a vu, moi, dans les jeux vidéo, c'est ce que j'ai vu en général. Vous avez du Baldur's Gate 3 qui est sorti le 3 août 2023, qui a été GOTY en décembre et donc du coup qui a perduré sur sa lancée. Vous avez du Unshrouded sorti le 24 janvier 2024, juste après Palworld. Unshrouded, ils ont que 64 000 joueurs. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même bien, attention, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas énorme par rapport à un Palworld. Tu peux pas dire du coup que Palworld est fini, c'est pas possible, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. À un moment donné, faut un peu peser ses mots. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre, quoi, il y a plus personne sur Palworld. Ouais, voilà pourquoi j'ai fait le titre, hein.
Mais voilà, c'est ça m'a un petit, ça me fait un petit peu rire quand même quand on entend ou on peut lire des choses comme ça. Mais voilà. Mais en attendant, oui, effectivement, ils ont perdu pas mal de joueurs et c'est normal, c'est normal. Bon, je vais me connecter avec le Yuyu puis on va voir ce qu'il me dit. Je sais pas pourquoi il m'a dit j'ai besoin de toi. Donc on va aller voir. Dit un max. C'est une cinquantaine de Vixie. Oui, bonsoir. Oula, oula. Bonsoir. Je m'attendais pas à toi. Bah, je sais pas, tu m'as dit. Oui, oui, mais que tu viennes d'un coup, là, comme ça, tu m'as explosé les oreilles. Ah, désolé. Mais pourtant, non, mais c'est pas. Ah oui, non, c'est de ma faute, J'avais le micro qui était à fond. C'est pour ça que tu m'as explosé les oreilles. Je comprends mieux. Mais même, c'était pas ta faute. Enfin, même si ton micro était pas mal configuré, tout le reste serait quand même ta faute. Non, t'es arrivé, c'est pas qu'il est mal configuré, c'est qu'en fait, en dessous de mon micro, j'ai une molette. Et des fois, sans faire exprès, je touche à la molette. Et oui, donc, du coup, t'avais qu'à mettre une moitié de molette. T'aurais une mi-molette et tu serais plus le fromage. C'est ça. Tout à fait. Oh putain. Bon, comment ça va? Qu'est-ce que tu voulais? Ouais, c'est bon, Camille m'a fait, mais après j'ai oublié, mais en fait tu viens plus sur le serveur, toi. Bah, s'il avait fallu que je me connecte sur le serveur, je serais venu, mais... Parce qu'en fait, il fallait que je pique des pales à quelqu'un. Moi, en fait, pendant que t'as quelqu'un en train de faire quelque chose, il fallait que je lui pique son pal. En fait, c'est des défis que j'avais à faire. Le bruit par ici, c'est incroyable. Ah, j'ai même pas regardé défis qu'il y avait à faire. Sur le site, là, que je t'ai envoyé? Ouais, j'ai même pas regardé. Tu vois, si, j'ai regardé hier, mais là, du coup, j'ai même pas regardé. J'ai oublié. N'empêche, Yuyu, si jamais on recommence à faire des boss, et de toute façon, tu vas me piquer tous mes mobs, alors... Attends, j'arrive pas à aller dans... What? J'arrive pas à aller dans quoi? Bon, j'arrive pas à rentrer dans une base à quelqu'un. Ah. Il y a un mur invisible? Est-ce que Yuyu est un boulet? C'est que tu l'as pas eu, je sais pas. Mais what? Il y a eu une mise à jour qu'on peut plus rentrer dans les bases des autres? Pas que je sache. Bah, ou c'est juste par la porte? Non, c'est juste par la porte, ok, c'est la porte qui est buggée. C'est une technique qui marche comme une autre. Ouais, c'est... Je mets qu'il y a une base à quelqu'un ici, en fait. Ah, mais c'est notre base. Bah, je pense, ouais. Ouais, ouais. C'est marqué des Palgia. Ouais, c'est les Palgia. Mais voilà quoi. Donc, je sais pas si. G.I. des Pal. Je sais pas si. si tu veux, ouais. Je sais pas s'il va se reconnecter. Je sais pas s'il s'est déjà reconnecté d'ailleurs, Elysia. Ouais, je sais pas. Elysia. Mais je sais pas, ouais, de toute façon, soit tu vas jouer toi de ton côté ou. Ouais, bah moi je vais continuer ma partie. Hein. Ouais. Non, parce qu'au début, je pensais pas que Camille allait jouer, et puis après, toi, Samuel, il est venu jouer, quoi. Donc. Moi, je vais continuer. Tu veux aussi, je te fais yesh. Bah ouais, tu me fais yesh. Mais c'est pas nouveau, ça. Et j'arrive pas à trouver des putains de Vixie, quoi. Les gars, il y a mon Elzephyr qui est complètement buggé, c'est ultra drôle. Vixie. Ah, il m'en faut plein des Vixie. Venez, vite, Vixie. Attends. Oh, j'ai jamais été ici. Pourquoi est-ce que tu prends pas tes deux Vixie et tu leur fais faire des bébés? Mais genre plein. Oui, déjà. Mais au-delà de ça. Alors, d'une, ça coûte méga, ultra, Mickey Mouse. Cher. Mickey Mouse. Ok. Mickey Mouse, ah oui, c'est le truc, tu vois. Non, Mickey Mouse est libre de droit actuellement, donc du coup ça vaut rien du tout. Mais je te merde. Non. Il n'y a qu'une seule forme de Mickey qui est libre de droit. N'empêche, ouais. Que souvent est libre de droit. Il n'y a qu'une une partie. Il y a la version Dark Mickey qui est libre. N'empêche que Mickey voilà. Est libre de droit. Donc, c'est plus Dark Mickey, c'est Dark Mickey. Oui, il n'y a qu'une version de Mickey. Libre. Pas toutes les versions de Mickey sont libres de ouais, droit. Ouais, mais bon. Ouais. Il n'y a que la version noir et blanc de base. C'est tout. Toutes les autres, oui. Elles sont pas libres de droit.
Oui, mais n'empêche que... Que tu le veuilles ou non, il est libre de droit. Bon. Et d'ailleurs, je me demande... Oui, ils ont déjà prévu un film d'horreur dessus. Non, oui. Mais ça, c'est déjà fait. Et ils ont même fait sortir un jeu. Oui, et prochainement, il va y avoir un deuxième film sur le... Ouais, il va même y avoir un Pokémon Mickey. Je me demande si... j'ai pas lu un article là-dessus que la Walt Disney Company était en train de voir pour refaire un truc en rapport avec ça pour redéposer des droits dessus. Oui, bah c'est normal, ça leur gagnait pas. Mais ils peuvent pas sur un truc qui date de machin. Oui, mais si, parce que tu as, en fait, tu as par rapport à des dates de création de trucs. J'ai lu ça dernièrement et j'ai dit, ah ouais, les bâtards. Oui, bah Disney, hein. Bah les bâtards en même temps. Il y a un hôpital par exemple qui a un gros problème là-dessus parce que pour une question de droit. Oh, bébé! Le créateur de Peter Pan a filé tous les droits à un hôpital, tout machin. Donc tout ce qui est fait par Peter, pour Peter Pan avec le nom de Peter Pan, tout machin, doit être validé par l'hôpital. Ce qui fait qu'ils sont extrêmement casse-couilles, qu'ils demandent énormément de thunes parce que bah ils en ont besoin pour fonctionner. Mais quand le machin est passé en libre de droit, ils ont fait bah non, l'hôpital existe encore. Il fait mais non, mais le créateur c'est Peter Pan. Il fait bah oui, mais il faut que le mec qui a les droits soit mort et c'est nous. Donc non. Mais l'hôpital peut pas mourir. C'est à peu près ça l'idée. Enfin, quelque part, regarde en France, hein, l'hôpital peut très bien mourir. Hein. Et l'État peut l'aider à mourir. Plus vite. Oh, mais ça, c'est encore autre chose, ça. Je suis un ancien soignant et j'emmerde l'État et toutes les directives pour emmerder les hôpitaux. Voilà, je suis pas sponsor par lui. Voilà, démerdez-vous avec lui. Si vous avez envie de taper, je peux vous donner son adresse. Mais il peut aussi donner mon adresse. Donc, c'est pas... Oui. Toujours à la recherche de Vixi, hein, je te rappelle. Vous allez dans la ville où habite Yusan, vous cherchez le château et vous avez son adresse. Hein. Oh, il a balancé mon adresse comme ça. Ouais, mais... il habite dans le château. Putain, voilà. Putain, mais non, mais je suis pauvre, mec. Faut pas dire que j'habite dans un château. Là, c'est pareil, c'est surtout le pape, là, il est toujours qui dit « Ouais, voilà, faut mettre de l'argent, faut mettre de l'argent. » Mais lui, il a tout le temps des châteaux neufs. Personne n'a compris la blague ou la référence sur le Châteauneuf du pape. Si. Parce qu'il vit à Châteauneuf, c'est ça? Bah non, en tout cas, il est toujours à Châteauneuf. C'est un... Châteauneuf du pape, c'est... Un vin rouge très connu et cher. Merci. Un vin. Ah ouais, mais c'est pour ça que je ne suis pas. C'est les vins. C'est peut-être ça, mais il l'a pas fait en vin. Mais après, tu sais, il y a la ville de Châteauneuf. Oui, alors? Est-ce que Châteauneuf, c'est celle du pape ou pas? Bah ouais. Et après, il y a aussi Bourg-la-Reine. Après, chaque nom tire son origine de quelque chose. Donc, Bourg-la-Reine, est-ce que c'est parce que 1, c'est un village qui a été créé pour la reine, ou 2, c'est un village qui a bourré la reine? Les deux. Oublie pas, tu dois garder des anecdotes pour la minute de Camille. Hein. Tu commences à sortir toutes tes vannes. J'ai déjà une super idée. On n'est pas dans la merde, quoi. Oui, non, vous êtes pas dans la merde. Mais j'ai une super idée que je vais exploiter. Qu'est-ce que tu vas pas exploiter, déjà? Rien. Ah bah ça, j'en ai déjà. C'est naturel. C'est du Camille, hein. C'est du Camille. Il y avait des gens qui ont des doutes encore là-dessus? Bah ouais, ils pensent que t'es bourré. Non, c'est Kamigawa. Ah, oh, je suis pas bourré, jamais. Bonjour, je vous présente Kamigawa. Ah, désolé le Nox. Ils sont où ces fucking Vixie? Je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Alors moi j'ai un spot à Vixie, je sais où il y en a un, mais après... je sais pas s'il est identique sur toutes les maps. En fait, c'est déjà pas mal, mais... Si, c'est... Spec map, c'est identique. Eh ben, alors tu vas, tu vois là où il y avait la toute première base des psys. Ouais. Bon, t'as un espèce de squelette là, quand tu regardes la map. Ouais. Eh ben, tu longes la plage là, et ouais. À un moment donné, sur la droite,
Ouais. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est le long là, tu vas en trouver. À un moment donné, t'as une espèce de renfoncement et juste après le renfoncement, j'en ai trouvé, j'ai trouvé tous mes pales. J'en ai attrapé combien moi sur ma partie solo? Les Bixi, j'en ai déjà attrapé 3 à cet endroit là. Ah. Aïe. Allez, une fiche chat, fume-moi cette 4S là, bordel. Il m'en faut une centaine. Oui, bah écoute, moi je te donne un spot qui est sûr, oui, parce que je par un, j'en ai récupéré. Puis par 3, puis comme ça t'arrives jusqu'à ça. Oui, 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 ok, j'ai compris. T'as les adolescents de nos jours, c'est incroyable, ça, ils se rendent plus. Attention, je vais partir. Hein. J'en ai marre. Hein. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Non, mais t'inquiète, tu pourras le faire au moins en chanson. Partir un jour. Sans retour, effacé. C'est pourquoi j'ai plus de miel? Ça, j'ai même pas touché à ton miel. Bah, c'est toi qui as fait des gâteaux tout le temps là pour tes pales. Bah ouais, mais il en restait. Je sais pas, j'ai pas touché à ton miel. Nuette. Je suis sûr que t'as touché à mon miel. J'ai vu que t'avais autant de miel que ça, je te l'aurais piqué. Tes gâteaux avec. Je suis sûr que t'as touché à mon miel. Pourquoi t'as touché à mon miel? Non, j'ai pas couché avec ton miel. Si, t'as touché ah, mon miel. Ah, touché, j'ai compris, couché. Mais non, c'est voulez-vous coucher Attends, avec à moi moment, je suis ce mort soir. Ce soir. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Je suis encore mouru. Encore? Mais c'est pas de ma faute s'il veut partir en multi. C'est ce que disent les gens. C'est pas de ma faute. Et puis je tiens aussi à rappeler que il y a un petit détail. C'est qu'on sent à mourir partout. On va faire des vixies, puis c'est tout. Hein. Et bah attends, écoute, je vais récupérer mon cadavre. Après, je vais te piquer tout le vixie. Bon, il est en dépression, lui. Moi, ouais, tu le. Voilà. S'il est en dépression, il sert à rien. Et le dépressif, ouais, là. Il sera fusionné. Non, les dépressos sont vachement importants. L'image même mais j'aime, moi j'aime bien la tête qu'ils font quand ils sont en dépression. Et ils sont tout le temps en dépression. Ah ouais, donc ça te plaît d'avoir des pales en dépression? Oui. Ah ouais, d'accord. Bon, il est où le deuxième? Dans ton... Je comprends ce que nos dirigeants... Nos dirigeants de la France... C'est bien comme ça que ça fonctionne, la France, non? Faudrait que je vérifie les stats, mais au dernier, enfin, la dernière fois que j'avais checké, même avec la montée en puissance de la Chine, tout le reste, la France est toujours le premier pays de... premier pays consommateur d'antidépresseurs en tant que quantité par habitant et en tant que quantité tout court. Ouais, bah oui. Devant la Chine, Moi, pour supporter Camille, je suis obligé d'en prendre 10, quoi. Faut que je cesse les streams et puis c'est horrible. Je veux bien te croire. Pourquoi mon perso marche tout seul? Mon perso? Parce que ton personnage s'est mis dans la chanson aussi. Je marche seul. Non mais. Mon perso va à gauche et je peux pas. Des corocos. Tu dois sauter ou un truc comme ça pour pouvoir casser le truc. Oui. Mais tu dis putain, va te faire. Ouais, c'est de la faute à Camille, on me dit. Voilà. Camille, c'est encore de ta faute. J'ai juste une question à poser, mais qui c'est qui en doutait? Non, tu. tu. Mais les gars, évidemment, il n'y a pas besoin de dire l'évidence, il n'y a pas besoin de dire que le soleil est jaune. On le non, sait. Le soleil est rouge d'abord, il n'est pas jaune. Après, s'il est blanc, et je vous emmerde. Non, ouais, j'allais dire en plus, il est même pas jaune, il est blanc alors. Donc ça veut dire que je sors un soleil tous les jours? Non. Tu sors un soleil tous les jours. Ah, là, j'ai pas le reste. Ouais, je m'en doutais que Banana, il allait avoir du mal sur ça. Écoute, Banana, je te demande de faire un truc. Par contre, tous les autres du stream, surtout, ne le faites pas, absolument pas. Donc, tu vas sur Google Images et tu recherches Smegma. Qu'est-ce qu'il va me sortir comme connerie encore? Je te jure, si c'est un truc dégueulasse, Mets-le pas en stream par contre, s'il te plaît. Parce qu'il est en stream, oublie pas, Banana, il est en stream. Ok, ne le fais pas.
Non mais je suis... Eh, mais tu... Ah, tu... Ah, tu me crois quand même assez con pour pouvoir faire oui. ça en stream. Absolument. Oui. Mais je t'emmerde en fait. Mais me pose pas question, je supporte ma réponse. Oui, t'es mais là. Oui, mais moi, bah, moi je te dis juste, je t'emmerde, c'est tout. Comment tu as dit... Bon, je cherche des... Alors, ouais, je sais que j'ai changé d'objectif, mais je cherche des hey, trucs, Camille. Des babayes. Oui, Camille, je cherche si des babayes. Si tu me mets du son dans les oreilles en même temps que de me dire le mot, je peux pas l'écrire. Hein. Ah, écoute, je te l'ai écrit. Ah, du babaye. Ah ouais, merde, putain, faut que je passe, je change de langue. Oula. Faut que tu mets en français. Ah ben... non, il y a des... qui change le langage de son ordinateur. Sinon, Alt-Shift, hein. Je crois que mon Big Guard, il va cramer. Ah, ok, d'accord. Moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais bon... Oui, mais bon, j'ai pas okay. de lire en voix normale, donc du coup, voilà. Ouais, non, mais c'est toi, ça C'est non, ça. Je disais quand c'est Yusan quand il parle de sortir son soleil blanc. Bah oui, il change mon soleil blanc tous les soirs. Il emmène Popol au cirque. Ouais, ouais. Bah. Mais ouais, bah, c'est qui c'est, veut c'est au cirque. Moi, j'amène mes gosses au cirque. Ah, il coule pas, toi. Et non, généralement, j'emmène mes enfants aussi à la piscine, mais oui. Mais non, mais le Bigard, il sait. Le Bigard. C'est pas un humoriste con français là. Mais non, mais arrêtez de mourir les bigards de... Jean-Marie. Jean-Marie Bigard. Oui, c'est ça, merci. Oh, je connais pas lui. Tu connais pas Jean-Marie Bigard. Tu connais pas Jean-Marie Bigard. Non, je connais pas le Moussanda. Tu connais, t'as pas eu de Moussanda, mec, pour 50. Non, j'ai pas de Moussanda. Non, il va m'attaquer le Moussanda. Pour 50 barres de fer, tu peux l'avoir en version lance-roquette. Enfin, lui, un lance-roquette. Moi je veux déjà Moussanda, tu vois. Là il m'a préparé ultra point. Attends, Netflix en chillette, reviens et go Uber. Comment il a fait pour tomber lui? Bah c'est pas compliqué, bah tu vois, tu prends un bord et tu vois pas. Putain, je veux toujours utiliser cette touche alors que c'est pas cette touche qu'il faut utiliser. Hop. T'as un 2% de chance, comment tu veux capturer ça, quoi? Demande Bananas. Oh, il y a un Bigard. C'est vrai. Demande-moi. Ah ouais, Bananas, il a les probabilités inversées. Moins il a de chance, plus il capture vite. Tiens, en plus, tu rigoles, mais combien de fois j'ai eu des 50 ou 70% marche, de chance et que j'arrivais pas à les attraper alors que des 1%, je les attrape. Et maintenant je dis faut que t'ailles voir Anubis alors si c'est ça. Anubis? Ouais. Ah, ouais mais non. C'est plus compliqué. Ouais ça peut marcher hein. 0,40% de chance que ça passe hein, avec lui. Hein. Oui, bon arrête de voler, capture-toi toi. Mais j'ai volé personne. Tu as volé mon cœur. Ça c'est même pas vrai d'abord. Oh. Et je peux le prouver très facilement. Là, Samuel a volé l'orange du marchand, lui. Ah, bravo, oui. Hein. En fait, vous êtes tous des voleurs, quoi. En fait, ça vous stresse pas que le Y n'ait pas son propre nom? Le Y a pas son propre nom. Ouais, chaque lettre de l'alphabet a son propre nom, sauf le Y et le W. Bah si, il y a Johan et Zoé. Bah non. J'ai même pas compris ce qu'il a dit. Le Y, il s'appelle ah le Ah oui, Y. Chromosome. Alors que, par exemple, le B, c'est un B, tu vois. C'est pas un D superposé. Bon, Camille, au revoir. Oh la vache. Où ça? Eh, il est parti en couille. Hein. Là, il est... Bon, ok, on va parler d'un peu autre chose. On va parler un peu de trucs plus cool, comme des mathématiques et trucs comme ça. Ça vous tente? Je suis en train de capturer un pal. Ok, parfait. Donc du coup, on va aussi parler... J'ai 3% de chance. Est-ce que j'ai réussi à 3% de chance? Oui. Non. Mais oui, voilà, j'y arrive. Bon, on te l'avait dit. Bref, donc du coup, on va parler du paradoxe du gruyère. Comme vous le savez, le gruyère est un fromage avec des trous.
Donc techniquement, avec une plus grosse quantité de fromage, on a une plus grande quantité de trous. Mais un trou, ça veut dire qu'il n'y a pas de fromage. Donc finalement, plus on a de fromage, moins il y a de fromage. T'as pas dit au revoir Camille, non? Tu peux le faire. Techniquement, tu peux le faire, ça. Voilà, vous voyez, c'est ça quand on pose des questions qui dérangent. Faites vos propres recherches. Non, mais en même temps... Mais et si tu prends pas de l'émental, t'as pas de trous. Et puis si tu prends de l'émental, tu sais que t'as des trous, donc qu'est-ce que... Voilà. Après, t'as qu'à demander fromage, à la petite, tu le payes à la en poids, donc de toute façon... De toute façon, qu'il y ait des trous ou qu'il n'y ait pas des trous, tu les payes pas tes trous, puisque tu payes au poids. Oui, mais ça change tout quand même. Bah, tu payes à la Camille. Par vu qu'il y a des trous dedans, bah ça veut juste dire qu'il y a de l'air qui se promène, donc du coup tu payes de l'air, c'est pire. Ah non. Déjà, tu payes l'air que tu respires. Non, non. Tu payes de l'air quand t'achètes de la glace. Non. Ça, alors, oui. T'achètes de les Ben & Jerry, tu t'achètes pas de l'air, hein. Ah mais attends, de la glace, tu m'aurais dit des chips, ouais, je veux bah dire. Alors ça, Non, alors les Ben & Jerry, franchement, tu vois les packages, ils sont bien remplis comme ma grand-mère, quoi, quand elle était jeune. Tu l'as fait fondre pour voir comment elle était remplie, ta glace? Ah mais attends, quand tu l'as fait fondre, c'est pas du... Mais t'es pâtissier ou... Eh bah oui, je suis pâtissier, oui, mais justement, je suis pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Mais oui, mais heureusement qu'une glace, que ça prend moins de place quand c'est fondu, d'un côté. Non, mais après, le côté con, on le voit très bien encore. Ouais. Non, mais c'est joke ou... Ben non. Mais pourquoi ça prend de l'air, ça prend de la place? Tu mets de l'air dans ta glace pour que... Eh ben voilà, donc c'est ce que je dis, tu bouffes de l'air. Ça c'est la glace aussi. Moi, quand tu me parles de vente de glace, c'est que dans les pots, t'as beaucoup d'espace où t'as rien dedans. Et donc, ah je te non vends de l'air. Non. Moi, je parle dans la préparation. Ah oui, mais dans la préparation, ça, c'est encore autre chose, ça, tu vois. Eh oui. Mais tu manges de l'air. Oui, mais c'est pas pareil. Attends, comment ça, tu mets de l'air dans ta glace? Ouais, non, cherche pas, c'est trop compliqué pour toi. Ouais, c'est trop compliqué à expliquer, mais va regarder une recette de glace et puis tu vas comprendre. J'ai déjà fait des glaces. Je vois pas à quel moment tu rajoutes de l'air. Ok, bon, alors on n'a pas fait les mêmes glaces alors. Non, mais lui il a fait une glace maison ou quoi que ce soit. Ah mais... oui, d'accord. T'as fait une glace maison sans appareil. Bah, si. Il y avait un mixeur. Mais dans un mixeur, tu fais quoi? Je mixe. Oui. Mais en mixant, tu fais quoi? Je touille. Tu rajoutes de l'air. Tu fais tout touille ou tout, c'est ça? Je rajoute pas de l'air, puisque je le mets pas au-dessus de la, enfin, au-dessus du truc, sinon ça va en foutre partout. J'ai déjà essayé. Quoi, tu mélanges pas en soulevant la machine? Bah non. Ah là là. Bon, c'est... Moi, il m'énerve les pales à attraper. Moi, je vais me casser, hein, je vous préviens. Voilà, tiens, regarde. Hop, encore un Vixi, là où je disais. Bim. Non, mais l'autre, arrête d'attraper des Vixi, là. Il faut que tu me les laisses. C'est pas les mêmes que les tiens. On n'est pas dans le même monde. Je sais. Bah, si. Tu es dans le monde de Palworld. Oh, dans le monde de Palworld. Est-ce que notre monde est imaginaire? À votre avis. Je sais pas. D'autres mondes, tu parles de quoi? De Palworld ou du monde réel? Les deux. Ok, donc dans ce cas-là, dans le monde réel, on a créé effectivement Palworld. Donc du coup, Palworld est un monde réel. Et d'un point de vue technique, en fait, on ne sait pas, on n'a pas encore réussi à prouver si c'est une simulation ou pas, mais en tout cas, la tendance va plutôt vers le non. C'est pas une simulation. Et ce qui est aussi méga, méga fun à connaître, c'est la théorie de la destruction des mathématiques. À tes souhaits. Grosso modo, on ne peut pas prouver les mathématiques. Parce que, et donc du coup, on ne peut pas non plus prouver qu'ils ne sont pas vrais. Donc, soit en fait, 1 plus 1 égale 2, c'est quelque chose qui est non négociable. Soit 1 plus 1 égale tout ce que tu veux et ça plus rien n'a de sens. Et 1 plus 1 égale 12? Voilà, c'est bien ce que je dis, tu vois. Rien, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, les mathématiques, c'est peut-être du bullshit. Je suis pas d'accord. Comment ça, tu n'es pas d'accord? 11? Non, égale 12.
3. Non, égale 11. Non, 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 non. 1 plus 1 égale 12. Bah non, je suis pas d'accord. Plus 1 égale 11. D'ailleurs, pour les fans de vampires, ce que moi j'aime beaucoup, c'est les stats, pas les vampires. C'est zinzin zin égale 11, mais 1 et 1 égale 12. Non, zinzin égale nous. Non, et... égale complètement starbé. Zinzin égale tu es le maillon faible. Au revoir. Au revoir. Partir un jour sans retour. Sans retour. Ah, ça y est, putain, j'ai enfin mon pal. Ah, ça me cache les ch'tiwaouettes, hein. Les ch'tiwaouettes. Ah ouais. Ouais. Ouais, les... bah ouais. Bah ouais, tu vois, j'ai des enfants, donc je dois faire attention à ce que je dis. Qui c'est les enfants? Mes animaux. Ils ont des oreilles chastes, hein, mes animaux. Non mais c'est comme si j'allais dire des. Ils ont vu plus de choses que toi dans ta vie. Hein. Comment ça, ils ont vu plus de choses que moi dans ma vie? Donc. Comment ça? T'as dit quoi? C'est quand même ses animaux à lui, donc je pense qu'ils ont vu les choses. T'es en train de dire quoi là? Ils ont vu des choses qu'ils auraient pas dû voir, c'est ça? Oh, bah, moi j'ai rien dit, j'ai juste insinué. Sakura, t'aurais vu des choses que t'aurais pas dû voir? Sakura, à moi deux fois si t'as déjà vu Yuyu avec maman. Avec madame plutôt. C'est vrai que c'est madame. Attends, avec la dame? Est-ce que tu m'as déjà vu avec madame faire crac-crac? Comment tu n'as pas à dire non. Que c'est la tienne? Bah non, c'est vrai que c'est pas avant le mariage. C'est bien, Sakura. Juste dire qu'il est avec la dame qui est avec lui. La dame qui est avec moi? Oui. Faut juste faire attention quand on parle. Qui est la dame qui est avec moi? C'est Sakura, la dame qui est avec moi. Boss. Allez. Bon, on a dit qu'on allait attraper des Vixie. Alors, on m'a dit qu'il y avait des Vixie ici. Donc si on m'a menti, attention. Si on m'a menti sur les Vixie. Attends, pourquoi est-ce que t'as plus ton attaque spéciale que t'avais avant, espèce de... Allez, je viens de capturer mon premier braconnier. Capturer des humains est illégal. Tu captures des humains? Personne ne ferait ça ici. Ouais. Je suis mouru. Non, pas du tout. Comment ça, tu captures des humains? Faut pas faire ça dans le jeu, c'est écrit, c'est illégal. Non, c'est pas. Mais qu'est-ce que tu montres tes viewers? Alors, donc tu m'as dit ici. Ah bah tiens, il y a une statue ici. Attends. Je suis mort là. Merde. Ça. Je t'ai dit où? Attends. Là. Là-bas. 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 Sauvage. Oui, parce qu'on va. Là-bas, là-bas, là-bas. Wow, comment ça rame? Ça rame Connor? Ouais. Moi, je cherche des Vixie là où tu m'as dit. Y a aucun Vixie. Attends. Tu m'as menti. Oui. Y a aucun Vixie quoi. Oui. J'ai longé la plage comme t'as dit. Oui. J'ai trouvé des ukulélés. Alors il y a des crémis. Ok. Ok. Là, stop. Mais non. Mais là t'es trop loin. T'es trop loin. Oui, t'es trop loin. Là, franchement, c'était logique. Mais c'est des crémis! Mais non, avance. C'est bon, vraiment au bord. Non, mais non, de l'autre côté! T'avances. Tu étais dans un sens. Je t'ai dit avance, et tu t'es retourné, tu t'es allé dans l'autre sens. Mais t'as dit stop. En fait, quand tu ouvres ta map. Là! Elle est où ma bière? Elle est là ta bière. Lixi.
Ah bah tiens, ça tombe bien ce qu'il cherche. Voilà. Et ben là, tu vois là où tu es avec la map ouverte. Et ben juste en face de toi, tu as une montée en herbe. Et ben au niveau de la montée en herbe, juste en bas de la montée en herbe, dans le trou. Voilà, merci. Ils sont juste en dessous de toi. Il y en a deux en plus. Moi, j'en ai que un à chaque fois. Voilà. Il y a quoi comme pâle là-dedans ? Oh, un petit fant- je parlais de gaspiller une de mes places pour ça. Mais comment ça, je me fais agresser là ? Non, moi, j'ai rien foutu. Je suis en train de courir à poil. Fais-moi la paix. Mais ouais, non, c'est vrai que. Des animaux auraient la parole. Les dingueries. Ouais. Bah, on leur cacherait beaucoup plus de choses quand même. Hein. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Papa, pourquoi je vois ton zizi ? C'est rien. Je suis nu, je suis comme toi, je suis à poil. Et toi, je dis rien. Youyou, t'as pas beaucoup de poils, je te rappelle. Hein. Ah. C'est vrai. D'accord. Problème, là. Mais quoi ? Moi aussi, hein. Oui, voilà, on dit que les animaux sont tout le temps à poil, ben... Bah non, t'as pas beaucoup de poils, toi t'es tout nu comme un ver. Ouais, mais t'es jaloux. Oui, parce que autant toi t'as un gros lombric de je sais plus quel pays, alors que moi j'ai un tout petit virmel. Ah, évidemment. Et tu vas dire c'est pour ça que j'ai quelqu'un et pas toi, c'est ça ? Oui. Parce que toi t'es riche et moi je suis pauvre. Non, non, putain, c'est vrai. J'ai oublié, faut que je fasse ma wishlist Amazon là, que je la mets sur Twitch là. Ta wishlist Amazon, qu'est-ce que tu vas mettre dedans ? Un volant. C'est wishlist. Ah ouais, ton volant. Bah ouais. Dans l'espoir que t'es un. Bah un en fait, vieux, c'est pour contrer madame, parce que madame m'a interdit de m'acheter un volant. Mais elle a pas interdit à quelqu'un de m'acheter un volant. Ah ouais, d'accord. Non, non, mais l'argument est tout à fait valable. Hein. Eh, pas con, hein. Pas folle la guêpe, hein, comme on dit. Mais bon, il y aura pas un fou pour m'acheter un volant. Donc, d'un côté. Puis de toute façon, si je mets un volant sur une wishlist, ça sera un volant à 50-60 balles. Hein. Bon, je m'en fous du volant. Hein. Bon, non, mais à la limite, t'as qu'à faire un truc de don, puis voilà, au bout d'un moment, dès que t'as assez de thunes, tu le... Ouais, mais je sais pas, j'ai enlevé les dons. Ouais, écoute, t'as qu'à demander à Bananas qui... Ah non, on demande à... machin, comment s'appelle le nouveau ? Naruto, il est riche. Naruto, il est là, et en plus, Naruto Naruto, on a besoin de tes sous. Mimi, sers-nous à boire. Pour contrer le pouvoir de madame, on a besoin de que tu m'achètes un volant. Oui, pour contrer le pouvoir de Suzaku, on a besoin de Naruto. Un elfidran, dragon céleste mignonnet. Ok, dragon vénère, dégage-moi le dragon céleste mignonnet. Comment c'est que t'as des dragons, toi ? Parce que je combats un boss. Et depuis quand tu combats un boss ? Bah, maintenant. Mais d'accord, il combat des boss sans moi, quoi. Comme ça, j'ai une chance d'attraper. Non, mais ok. Oh, t'as qu'à venir, hein, il est level 30, je fais pas beaucoup de dégâts. Hein. Mais non, mais depuis tout à l'heure, tu me dis, ouais, je vais faire le boss et tout, et finalement, mais tu fais pas le boss. Et là, au moment que moi je suis parti faire des Vixies, parce que bah, il faut bien faire des Vixies au bout d'un moment, et toi, ouais, je suis parti faire un boss. Bah, je te l'avais dit, putain, il est déjà 21h22, je voulais pas me coucher tôt, moi. Mais c'est toi qui fais un boss. Il est déjà 21h22, j'ai l'impression de pas avoir joué. Moi j'ai l'impression de mourir en bas. Ah, je crois que c'est buggé. Qui ça ? Je suis pas sûr, hein. Mais je crois que... Ah voilà. Putain, je suis mort parce que je vais faire alt-tab. Pourquoi t'as fait alt-tab aussi ? Et parce que pour voir ton stream, je te rappelle que j'ai qu'un seul écran, moi, monsieur, je suis pauvre, moi. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, Naruto, il faut aussi acheter un écran à Camille. Ah, mais ça, je le mettrai sur ma wishlist. Ouais, je veux un écran de 2 mètres de large, full HD 4K. 2 mètres de large. Déjà, un écran, ce sera déjà pas mal. Après. Ah non, mais c'est ça. Un écran à 50 euros, ça passe quoi.
Non mais vous comprenez pas le plan. Le mec en plus il est difficile. Je le revends et en plus non mais c'est pour le revendre. Comme ça je m'achète de petit. Et pourquoi tu veux t'acheter le petit? Parce que je joue que avec un écran de 2 mètres. Je comprends pas le rapport. Je sais pas moi. Et d'un côté tu revendrais un cadeau fait par Naruto? Yep. T'as aucun cœur. Bah si au contraire. Il crie vengeance. Il t'a fait quoi Naruto pour ça? Bah et tout c'est les riches. C'est vrai il est riche. Je suis pauvre moi madame. Ouais. Non mais de toute façon, moi j'ai dit que je te payais Nightingale et Et comme ça, moi je te le paye aussi. Hein? Et moi je te le paye aussi, comme ça c'est bon, c'est réglé. Ah non, tu me payes le volant. Bah attends, le volant... Ah oui, le volant, le truc pour jouer au badminton, ça marche. On n'a jamais précisé quel type de volant, donc du coup le marché est vendu. Non, on avait précisé cet après-midi. Non. Faut juste que ça sorte pas de mes sous, c'est tout. Après, remets une fois un volant sympa et compagnie tout le reste sur ta wishlist. Envoie-moi la wishlist et après on verra ce que je peux faire. Ouais. Oh, j'ai deux vixi là encore. Travail, hein. Après, non, je dis ça, mais je vais avoir la flemme de faire une wishlist. Je sais même pas comment. Je sais que je l'avais fait un moment, mais je sais même pas si, si les gens avaient accès, tu vois. Pourquoi est-ce que le boss il m'attaque directement là? Dégage. J'ai tellement la flemme. D'un côté d'en faire une. Ce soir j'ai du travail ce soir. Ah non c'est demain j'ai rendez-vous kiné à 8h30. Je vais te fatiguer. Quelle idée d'aller chez le kiné. C'est bien de bah... Ouais c'est vrai. C'est vrai. Quelle idée. Bon t'arrêtes de piquer mon lait Camille. Bah déjà de 1 ton lait je te l'ai pas touché. Quel lait? Ben mon lait que je fasse, mais... Mozzarina, chez toi, moi. J'ai peut-être un peu beaucoup d'œufs de dragon. Et je me demande, ça donne quoi comme petite bête? Des dragons. Parce que c'est tous les mêmes, hein. Ils sont tous... c'est tous du même papa et de la même maman. Bah, techniquement, c'est tous la même chose. Oh ouais. Donc je vais en avoir 10 d'un coup comme ça là, bam. Ok bah écoute j'arrive et puis Ça t'arrive, non. Non j'aime pas. Tu veux faire quoi avec Mais vas-y mais récupère mes baies. Déjà que j'en ai pas beaucoup, je t'ai entendu là. Ok c'est bon j'ai compris, je les range. Mais non, mais pas là, mais... Ça rentre pas, là. Même pas là-dedans. Mais non, mais normal que ça rentre pas là-dedans. Mais il est là. Putain, je l'ai jeté par terre, débrouille-toi. Mais vas-y, fais comme chez toi aussi. D'accord, alors je reprends. J'ai trouvé qu'il y en avait plus que 20. Un meilleur spot à Vixie. Ah, c'est où les trucs à Vixie? Il me faut des victimes. Tu vois la tour du syndicat de Rain, la première tour là. Tu as le lac en dessous. Ouais. Et ben sur la gauche là, t'as une espèce de petite touffe d'herbe là. Ouais. Tout de suite à gauche là. Et ben à ce niveau là, je suis pile poil là et là j'en ai déjà attrapé. J'en ai déjà chopé 2. J'en ai déjà chopé 2. Il y a quelqu'un là-bas en plus. 3. Et là, j'en ai encore 2. Je crois que c'est Samuel. Samuel ! Samuel ! Regarde ! Je vole ! Qu'est-ce que tu voles encore à Samuel ? Bonjour ! Il est là ton sac. Non, c'est pas à toi ça ? Ah non. Je crois que Samuel il est mort. Oh, oh, t'es fixé! Là où je t'ai dit? Non. 2 mètres à droite. Non, là où est Samuel. Bah oui, mais je les tue, les Vixie.
Mais faut que tu balances des Pokéballs directement dans leur tronche. Bah oui, mais non, faut que c'est dans, le, dans leurs fesses. Oui, pareil. Ah, mais oui, c'est là où j'étais tout à l'heure, en fait. Tu leur mets dans le cul, tu leur mets où tu veux, mais bon. Donc tu veux dire que tu étais exactement là où je t'ai dit avant d'aller, et bizarrement, tu trouves des trucs que je t'ai dit que tu allais trouver. Mais non, c'est là où je me suis promené tout seul, où je me suis perdu, et ils étaient pas là tout à l'heure. Ils étaient là tout à l'heure, je te l'ai dit. Non, Samuel est en train de mourir. Netflix and chill. Cours Netflix, cours. Je viens de protéger. Mais t'es mort. Cours Netflix. T'as pas un pâle vol Si, j'en ai un. Si, mais. Mais il est abonné absent. Ouais. Bah, là, j'ai une question technique à te poser. Mais meurs pas alors. Hein. Si on trouve un fantôme d'un pâle volant. Est-ce que ça veut dire qu'il fait preuve de volonté? Fantôme d'un pâle volant, est-ce qu'il fait preuve de volonté? Bah peut-être, hein. En vrai. Sinon, bah Nas, j'ai un projet de one man show. Non, de fabrique en fait, de production et fabrique de petits pois. L'autre marque serait déjà déposée, hein, on appellerait ça locu. Mais donc du coup, c'est tout ce qui touche aux petits pois. Est-ce que tu serais prêt à investir là-dedans? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas de. Peu importe le projet que c'est, je n'ai pas les moyens. Mec, mais réfléchis deux secondes. Mais tu mets un euro. Oui, mais est-ce que t'as déjà pensé au fait que. Imagine un peu, dans tous les magasins en France, tous les enfants qui seront là. Maman, moi aussi je veux des petits poils au cul. Allô ? Pauvre maman qui va être obligée de se taper ça. Il y a un vilain vampire là qui me regarde. Eh merde. Enfin, ah. Moi, on me dit à l'oreillette que ton humour était pourri. Putain, je suis bugué. Respirez, parce que c'est pas pourri, c'est pour rire. Mais ça va, tu voles mon pal là? Non. C'est comme ça qu'on fait. Je viens de rattraper deux nouveaux wiki, hein, pour information. Non, mais oui, mais y a pas les. Il y a Camille, il vient me voler mes pales, quoi. Moi, mais non, je ferai jamais ça. Ah ouais, non, mais... C'est toi qui vole les pales des autres, c'est pas moi. Pas comme Naruto, Jean. Il parle plus. Il ne vous aime plus, Naruto, ça doit être ça. On a cassé Naruto. Ouais, mais ça, c'est... Mais non, pas toi, tu t'appelles Naruto. On savait que Naruto, il ne nous aimait pas. Ouais. On a cassé Naruto. Quelqu'un peut le reboot? Ah non, c'est vrai, la dernière fois qu'il y a eu un reboot de Naruto, on appelait ça Boruto et finalement c'était nul. Alors, je dirais, vu que j'ai jamais vu Naruto ni Boruto, bah, bonne question. Tu vas conseil. Naruto c'est de la perte de temps et Boruto c'est pire. Alors, il paraît que Naruto Shippuden c'est pareil donc. Mais Naruto Shippuden c'est Naruto saison 2. Oh la vache, il me restait 50 points de vie. Hein. Ah. Et est-ce que tu es mort? Non, ça va. Non, mince. On a loupé notre coup, les gars. On a loupé notre coup. Ah non, c'est juste... Mais mettez le jeu en plus dur. C'est toi qui peux faire ça. Quoi? Moi, je veux remettre les dégâts des mobs. Moi, je veux remettre le jeu en plus dur. Oui, moi aussi. C'est trop facile, là, le jeu. Je meurs jamais. Pas de mourir. Ça c'est toi. Mais oui, mais de toute façon que je remets en plus dur ou pas, ça changera pas. Tu mourras quand même. si tu meurs maintenant et que je mets une difficulté un peu plus au-dessus, ça changera pas. Si, il y a un truc qui va changer. T'as mes espèces de crétins, c'est normal que tu vas crever après. Bon. Non, je parlais à un mob. Donc du coup, je disais quoi? Oui, je disais donc les fraises, c'est bon en été. Les fraises Tagada? Non, ça c'est dégueulasse. Non, c'est bon les fraises Tagada. Ah non, c'est dégueulasse. Trop bon les fraises Tagada. Vous savez, les enfants, je mange plus trop de sucré, moi je mange plutôt du salé. Ouais. Non, mais ça m'empêche pas de manger du salé aussi. Hein. Moi aussi, hein, mais les fraises Tagada, c'est banger ça. Je mange autant de sucré que de salé. Hein. Ah, pas moi, non, moi je mange beaucoup de salé que de sucré. Bravo, monseigneur, le diabète vous appréciera. Pas sous tous les Vixies. Mais non, mais putain, mais l'autre il me pique mes Vixies, j'en ai marre. Je n'ai croisé aucun.
Mais t'arrêtes pas de me les piquer. On va faire un truc important, moi. Faire dodo. Oh putain, oui. Bon bah, je vais retourner à la base, je vais. C'est quoi ça? Des ouais. Chimis. Je vais retourner à la base et puis je vais récupérer tous mes pales, les plus proches, je vais me piéter. Mais non, Yuyu, il m'a dit qu'il ferait plein d'œufs et puis il l'a pas fait, donc du coup, non. Et allez, hop, niveau supérieur. Comment ça qu'on balançait? Les personnes d'Alzadurant, je combats qui? Oui, mon pal de volant. Et viens ici, espèce de trou du cul. Il est aussi contre moi celui-là. C'est dur de contrôler la modernité. Qui est le plus con? Le con ou celui qui le croit? Oui, c'était pas ça la phrase. Ah oui, c'est vrai. Attends. Un homme peut avoir un homme 1000 fois. Non, c'est pas ça. 1000 hommes peut avoir un homme 1000 fois. Non, c'est pas ça. Un homme peut avoir 1000 hommes 10 fois. Non. Tu sais, on te contredira pas. Hein. T'as pas la ref? Si, j'ai la ref, mais pas. On te contredira pas quand même. Hein. T'as pas la ref? Si t'as la ref, quelle est la ref? Jean-Paul? Jean-Paul la ref? Ouais, Jean-Paul la ref. Je vous aime beaucoup qu'on fait des efforts pour essayer de m'imiter. Trop mignon. Non, on fait pas d'efforts, c'est simple. En fait, on réfléchit pas et... Ah, on est Camille. Ah oui, normalement, c'est une malédiction. Ouais. Évidemment, évidemment. Putain, dedans, il a dit qu'il était venu piquer des affaires chez nous, quoi. Elle est où, la base honneur? On va lui piquer des trucs. Active le mode PVP, on va lui défoncer sa tour pendant qu'il est pas là. Non, c'est lui qui va nous défoncer notre top. Non, non, après on réactive le mode pas de PVP, tu vois. Juste mais tu sais, il faut redémarrer les serveurs et tout pour faire ça. À un moment, il sera pas là. Il est tout le temps là. Bah non, quand on va redémarrer le serveur, il sera plus là. Et vu qu'il sera en train de dormir ou autre chose, bah voilà, on peut en profiter pour rebooter tout le machin et puis lui pourrir la vie. Non, mais après, c'est aussi simple que ça. La vie n'est pas aussi simple que ça, Camille. Ouais, tu pourras m'accuser, moi, hein, y a aucun problème. De hein, toute façon. Bah, tu vois, on a déjà le coupable. Il est même déjà prêt à dire que c'est lui. Mais vas-y, mais les vaches là, faites du lait. Oh, j'arrive pas à faire du lait avec mes vaches. Ça fait pas du lait. Ah, c'est parce que c'est pas des vaches, ça fait du lait. T'as pris des mâles, mec. Fallait mettre des femelles pour le lait. Oh non, attends, je vais voir chez Psy. Tu penses aussi loin que ça ou pas, à votre avis? Ouais, tu vas très loin. Non, mais est-ce que le jeu, il pense? Tu vas échanger du lait contre des œufs? Non, je pense pas. Attends. Je pense pas que le jeu, il pense. Il pense même pas une petite blessure au fond de ton cœur, tout fragile? Mais... Eh, c'est bien beau chez Psy, hein. C'est tout rangé, c'est... Ouais, il fait ça bien, Ipsy. Hein. Ça, c'est son... C'est ses trucs. Putain, mais il a pas de lait, quoi. Ah, peut-être là. Faut que je vois s'il y a un boss Bozzarina pour que je puisse le capturer. La 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 la. Il a fait une structure. Il a fait une structure quoi? Il fait des structures partout. Oh. Mais moi j'aime pas les bases trop plates et compagnie trop foutues. J'aime bien, c'est un peu naturel. Ah oui, il s'amuse bien en fait, le petit Epsi. Hein. Ah ouais? Il a mis une arbalète dans un endroit qui servira mais strictement à rien.
Mais il a mis une protection, hein. C'est déjà pas mal. Et oui, les enfants n'oublient jamais, sortez protégés. Et rentrez protégés aussi. Mais non. Protégez-vous. On se protège la tête ? Oui, parce que n'oubliez pas que le gouvernement veut que vous fassiez du réarmement démographique. Mais... Et on veut pas. Ouais, bah... Clem. Mariez-vous d'abord. Clem aussi. Ah non, si, madame va me marier, donc si. Bon, ça, c'est dans 2 heures, ça, quand je vais savoir ce que je vais avoir comme bébé. Parce que oui, je sais toujours pas ce que j'aurai comme bébé. Bah, de toute façon, pas avant le mariage. Non, oui, dans 3 heures. Dans 4 heures, je vais pouvoir savoir ce que j'ai comme bébé. C'est vrai ? Elle est enceinte ? Oui. Félicitations. Oui. Après, d'un point de vue technique, hein, les bébés humains, vous êtes vraiment mal foutus. Hein. Mais non, regarde, je l'ai mis dans l'incubateur, c'est dans 4 heures que je vais avoir... Pourquoi ? Parce que toi, t'es pas mal foutu, mec ? Que je vais avoir mes réponses, humain, quoi. Humain, moi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'es une chose. Mais au cas où, j'allais dire petit beurre. Une banane, c'est dangereux, hein, que je vais avoir des bébés dans 4 heures. J'ai compris. Et on le sait, on avait capté. Hein. Je suis pas complètement con, quand même. On est pas oh, merci. Je ramasse 230. Putain, tu veux des œufs ? J'avais pas remarqué, il y avait donneur de ma base. Ah, mais j'ai plus d'œufs. Il a tous bouffé, c'est ça ? Ah, mais non, mais de toute façon, non, c'est vrai que tu m'en as piqué quand j'étais pas là, au pire. Ah, je revis, j'ai des œufs. Et maintenant, j'ai plus assez de miel. Mais t'as déjà plus assez de miel avant. Ouais, mais c'est compliqué. Je trouve que c'est plus con que compliqué, et ça c'est un détail. Oui, mais moi je fais pas attention. Si je faisais attention à ce qui m'entourait, des fois, je verrais des choses que je devrais pas voir. Mais je fais jamais attention. Pour la moitié pas, vous savez que vous devez plus être là normalement parce que bah je vous ai tous dégagé. Hein. Ah, bah attends, j'ai plein de trucs quand même ici. Bon, Camille. Oui. Faut que t'ailles te coucher. Oui, c'est prévu. T'es dans ma base, là, je suis en train de. Ah oui, j'ai pas assez d'eux maintenant. C'est ça. Hein. Je n'ai pas, ah oui, bah oui. Ah, je n'ai pas assez d'eux. Comme il est là, du coup. Bah ouais. Hein? Mais oui, oui comme t'es là, Camille, en fait. Bah. Tu piques tous mes pales. T'as vu, j'ai lâché plein d'œufs. Ça fait chier en fait, tu piques tout. Oui. Moi j'en ai marre. Oui. Moi j'aimerais, tu vois. Red, c'est pour toi ou pour moi ? Pour moi. Echatong des flammes éternelles. C'est quoi des echatongolog ? Ah, t'es souhait. En français, ça fait quoi ? Echatolog. C'est des échatologues, si tu veux. Si je parle bien, c'est échatologue. Mais qu'est-ce que c'est un échatologue ? C'est quelqu'un qui étudie les châteaux ? Oh non, je pense que c'est chez toi, mon ami. Écoute, je vois personne là où je suis. Moi non plus, je vois personne de là où je suis. Bonjour ! On cherche les échatologues. Quiz échatologue. Bon, bah si c'est comme ça, bah, je me barre. Est-ce que je vais pas faire un petit spoil pour mon prochain Minute Camille. Non, mais... Non, tu faut pas que tu... Il faut pas que tu spoil. Non, je parle d'un petit truc mignon pour prévenir à l'avance sur... Pas de spoil. Pas de S, il y a point S. N'empêche que je vois toujours aucun point rouge autour de ma base, hein, donc je sais pas si c'est chez moi, mais... Mais j'ai pas de point rouge non plus, donc... Il doit être buggy qui part comme un truc. Bon, vite, faire éclore mes œufs. Tu lui as dit qu'il me passerait plein d'œufs, mais il l'a jamais fait.
Est-ce que tu veux que je laisse des places, Yuyu, pour chez moi pour mettre des œufs ou pas? Bah, si tu peux me mettre des œufs et des. Non, et du lait. Non, je peux les mettre dedans. Hein. Non, mais j'ai plus de Mozilla, moi. Et alors? Faut que j'en capture. Les Mozilla pondent pas des œufs? Non. Yes, niveau 33. Ah, si, ils sont là en bas. Ils sont complètement buggés du cul, en fait. Je suis en train de faire souffrir mon melpaka. Mais regarde, la politique ne pouvait pas monter là-haut. Ah putain, si c'est les piafs. Bon bah gros ordinaire Tayo. Grosse sombre Tayo. Gros ordinaire Tayo. Gros ordinaire Tayo. Bon bah non du coup Yo je me mets partout hein, tu te débrouilleras. Ouais vas-y fais. De dormir et va te coucher. Attends, je viens de ranger mes œufs. Mais oui, qu'est-ce que tu fais là encore d'ailleurs? Mais si t'as des œufs, mais il est dans ma base. Bah non, bah si. De toute façon, il me reste un œuf feuillu, un œuf chaud et 1, 2, 3, 4, 5 œufs gelés pour 2 ordinaires. Ah, mais j'arrive pas à avoir des vixi, hein. Ça me saoule. Hein. T'as été là où je t'ai dit? Et j'ai été, mais bon, ça peut pas. Échappe, retour à l'écran. Putain, j'en ai. Ouais. Juste le temps qu'on en est. Bah, depuis que je suis en début de stream, là. Et déjà 25. Bah, j'en ai fait 6 en soi, mais 6 c'est passé. Mais. Attends. Alors, depuis le début de stream, Je devais capturer un pal. Ou machin, et voilà, il y en a un ici. Bon, moi je vous abandonne là. Ciao les jeunes. 2, 4, 6, 7. J'en ai fait 7 depuis le début du stream. Ouais, mais c'est pas non, 8. Il m'en faut, je te dis, il m'en faut une soixantaine, voire plus. Mais non, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Les sacrifier. Ah! Le méchant, il veut sacrifier ses pales. Ouais, évidemment. Ah ouais, le tiens, on vient me dire, Diablo 4 sera dans le Game Pass le 24 mars. Ah ouais. Ou Diablo 3. Ça n'empêchera pas que j'y jouerai quand même, papa. Tiens, ça veut dire que j'aurais pu récupérer un compte Diablo 4... Ah ouais? Gratos. Ouais. Putain, je me serais pas fait chier à récupérer pour rien, mon quoi. Compte. Putain. C'est ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Hop, j'ai capturé un Palkris. Donc maintenant, faut juste que je parle bien du jeu. Non, je rigole. Faut que je parle des améliorations. Ouais, mais c'est pas pour ça que j'y jouerai, tu vois, même s'il est sur le Game Pass, quoi. Ouais, j'y rejoue plus, c'est bon. Ils m'ont dégoûté. Je vois pas pourquoi, vraiment. Ouais. Mais bon, après, ça m'apprendra d'avoir passé mon compte à certaines personnes que je pensais avoir confiance, tu vois. Et que tu peux pas avoir confiance en personne. Et ouais. Et oui. Ah, je vais leur demander l'argent depuis le temps que je leur prête mon compte Game Pass. Maintenant, payez-moi.
Oui, vu que c'était que pour le Game Pass et ils jouaient gratuitement alors que moi je payais. Je leur demandais de payer, tiens. La t'as même. Raison. McBee paye. Non, je rigole. McBee, il est pas dedans. Ah, mais c'est McBee en fait, depuis le début. <T'sais>... et c'est à cause de McBee que je jouais plus à Diablo, voilà. Vous le savez maintenant. J'arrive pas à trouver des pales, ça me saoule. Il n'y a pas assez de pales sauvages en fait. Il n'y a pas assez de pales sauvages. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est vrai que McBee il est en train d'économiser pour ma Tesla. Parce que McBee il est généreux, il m'achète une Tesla. Ouais, putain. T'as vu la générosité du mec quoi. Tu m'étonnes. Mais à sa famille, on n'achète pas. C'est le mec. Ah bah je vais repartir chez moi, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Bon, on va aller faire des boss. Mais je suis de votre côté, les gars. Attends. Et il va arrêter de sauter comme je sais pas quoi, lui. J'ai créé une 5%, sauterelle. 5% c'est 100% non? Bah ouais. Bah non. Bon 5% ça rentre facile quoi. 7% allez. Toujours pas. Oh des fois ça rentre, des merde. Fois ça rentre pas quoi. Il a disparu. Oh non okay. Il a disparu. C'était un sérum là ou je sais pas quoi là. Voilà, tu vois, il y a rien, il y a pas de pal ici. Il a menti. Ah, Vixi. Voilà. Mais non, mais tu le pas. Mais ben, mais range ton pal. Mais non, mais je fais une petite attaque, et... one shot. Il a fait une critique. C'est pour ça que moi, quand je vais chasser le Vixi, j'y vais juste avec mon arc. Un arc ? J'ai pas d'arc. Oui, bah. T'as quoi comme arme ? Une lance. Et ben, j'y vais que avec ma lance. Je fais Bougaou. Je fais. Ah, c'est quoi la réplique de Pierre à. Gawabunga. Près de Pierre à feu. Allez, voyager. On va rentrer chez moi parce que ça sert à rien que je reste ici. Tac. Oh là là, regardez. Oh ouais, aspirateur. Il a dit qu'il avait mis où le lait, Kenny ? Ou les œufs, je sais plus. Je sais plus. Oh, Luigi. Alors. Ok. J'ai niqué mes sphères. Ok, bon bah je... Que niveau 36 encore. C'est quand même long de monter un niveau. Hein. J'avoue. Bah toi t'auras pas de difficulté. Pourquoi?
T'as en normal. Oui, c'est sûr. Vu comme ça. Après, bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas retouché là, ce week-end avec madame, mais... Après, je me suis mis en normal pour le moment, hein. Ça m'empêchera pas, peut-être que par la suite, je me remette en... Oh, machin, c'est juste pour... Ouais, c'est juste pour au moins rusher un petit peu là où j'en étais plus ou moins, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. Parce que bon, refaire. Et moi, de toute façon, tu as dit un jour, tu ferais une partie en méga hard. Tout à fond. Ouais. Tu le feras pas. Tu me connais pas, toi. Coucou. Parce que tu sais que tout à fond, tu vas faciliter le jeu. Non, j'ai toutes les difficultés à fond. Ouais, donc ça veut dire que toi... Que moi, ça veut dire que t'as le moins d'attaques. Parce que mettre la difficulté à fond, c'est que tu baisses ton attaque et ta défense. Ouais. Et tu montes l'attaque et la défense des pales. Oui. Mais en sachant ça, que vu que tu vas attaquer avec des pales, tu augmentes leur attaque. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est ce que j'étais en train d'expliquer. J'ai fait. Le seul problème, c'est que nous, là, on a baissé la difficulté, enfin, l'attaque des pales. Que ouais, j'ai mais honte, tu... Moi... tu trouves pas quand même que c'est plus facile? Non. Non, parce que tu sais, il y a des endroits, tu te fais one shot, tu te fais one shot. Que ça soit en. J'avais dire en dégâts x1 ou dégâts x2. T'arrives à des endroits, tu te prends un tir, tu te fais one shot encore. Et ça, c'est rien que le difficile. Non mais ça c'est le difficile. Mais ton pal, quand tu le mets en quand tu sors ton pal et que ton pal il attaque les autres pales, je trouve que c'était vachement plus facile quand t'as diminué. Sinon c'est l'inverse. Parce que le truc c'est que la défense des pales est à zéro. Ouais, non attends. Coucou fort. Si la défense des pales elle est à 2. Donc ils ont deux fois plus de défense. D'accord. Oui. Et donc là, on a rebaissé la difficulté des attaques des pales. Donc forcément, les pales font moins de dégâts aux autres pales. Et je dis pas le contraire. Et... Mais donc mais ça augmente la difficulté. Sur le... Impossible, pourquoi ? Parce que si tu fais moins de dégâts sur les pales, donc sur les boss qui a du time, bah c'est chaud. Après, ouais, oui. Je trouvais, vraiment, j'ai trouvé que c'était plus simple après. Que... Non, c'est, tu fais beaucoup moins de dégâts. Parce que le truc, c'est que en termes de défense, eux, ils sont toujours la même défense, mais toi, tu fais moins de dégâts. Ben, et comme la plupart des dégâts, tu les fais avec tes pales et non toi-même, ben, tu fais moins de dégâts. Et c'est pour ça que moi, c'est pas que j'ai pas eu de difficulté à battre le boss, parce que j'en ai chié hein, pour le deuxième boss. Mais comparé à Epsi, Melil qui l'ont fait après, moi c'était plus facile de le faire parce que mes pales faisaient deux fois plus de dégâts. Oui, mais le boss fait aussi plus de dégâts du coup. Oui, il faisait deux fois plus de dégâts. Mais de toute façon, tu voyais, hein, quand ils l'ont fait, ils se prenaient un coup, le bouclier était pété, ils se prenaient un deuxième coup, ils mouraient. Hein. Ah mais oui, mais de toute façon, dès que t'es en difficile, de toute façon, c'est ce qui se passe. Avec le réglage qu'il y a là actuellement. Donc, que tu mets que les pales font plus de dégâts, ça te change quoi en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Finalement, ça n'a pas changé grand-chose à part... mettre plus de difficultés à faire tomber les boss. Ouais, non, alors je comprends pour les boss, mais je trouvais que honnêtement c'était plus simple pour les pales. Non. Mais alors quand c'est des petits pales et que toi tu les attaques, ah oui ça. Ou alors c'est peut-être ça. Lui, ouais, sur les petits pales oui, mais sur les gros pales ça te touche à temps. Comme, oui, comme tu disais, ça t'attaque une fois qu'ils t'ont attaqué. De toute façon, une fois qu'ils te touchent une fois, de toute façon, t'es mort.
Bah, moi, je veux remettre deux fois parce que y a le. Moi, j'ai envie de remettre la difficulté qu'il y avait. Hein. Sur certains trucs, c'est long. Mais après, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre le point de vue, quoi. Non, moi, c'était plus que vraiment quand t'as modifié, j'ai vraiment eu l'impression que c'était plus simple. Alors oui, après, ouais, je parle pas au niveau des boss, hein. Attention. Hein. Effectivement, les boss, je les ai pas fait, donc je peux pas vraiment dire. J'ai fait que le premier boss et le deuxième boss, j'y suis pas allé. Donc effectivement, ça y joue aussi, quoi. Il est trop beau. Après, oui, au niveau des boss, ah, je l'ai pas attaqué encore. Au niveau des boss, en fait, tant que tu esquives. Après, j'ai envie de dire, ça passe. Oh là là, c'est quoi cette attaque? Viens là, mon ami. Ah, tu fais pas beaucoup de dégâts contre lui. Bip. Je commence à vouloir déplacer la base de là où je suis. Parce que je commence à avoir besoin de fer, bah de métal. Je commence à avoir besoin de métal. On va aller voir où c'est qu'on pouvait s'installer. On était par ici. Ah, ce banana, logiquement, tu peux faire ta deuxième base. Non, pas encore. C'est combien le... Ah, si, oui, c'est pas directement dans le truc. C'est... Ah, tu regardes oui, dans ta boîte au lieu de déplacer ta base. Bon, quoi qu'il arrive, je la déplacerai, je pense, parce que. Au début, ça évite. Ouais. Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Je vais faire une deuxième base. J'ai envie de dire, c'est changé pour rien, sinon. Non, mais j'avais pas pensé que je pouvais déjà le faire, mais oui, tu as raison. Okay. J'avais plus de bouclier. Techniquement, là, je viens de me faire one shot par un niveau 23. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est sûr que. Je suis beau. Non. C'est moi, j'ai juste été à l'attaque. Juste c'était à l'attaque trop vite. Beyblade, perd vitesse. On a, je crois qu'on a perdu Samuel, hein. Non, je suis là. D'accord. Je suis là. Je savais que t'étais là, hein, mais. Mais comme tu parlais pas. Pierre et lui. Ah non, ça c'est chier. C'est vrai. Voyage rapide. Je suis mort là-bas. Moi, je descends les montagnes, je regarde pas ce qu'il y a du vide. Mais oui, évidemment.
C'est cette église, je crois que je suis allé. Bah si tu vas te tenter Anubis tout à l'heure, je viens avec toi, Donor. Autant que je vienne. Oula, c'est à côté entendu... de chez moi. T'as entendu un shiny. Ouh, un chanceux le lucky. Plutôt. Un lucky. Le lucky lucky. Ok lucky. Il faudrait que je le fasse le l'Anubis au cas où. Bonjour. Il est où lucky? Il est où le lucky? Je l'entends. Putain, je l'entends plus. Là. Allez, Toco! Attaque, explosion! J'étais loin. Bon. Bah, j'ai remouru. J'étais loin! Ah là là. Je comprends pas. Je me balade dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures. Plus je meurs, je ris. Non, non, ça rime pas. Excusez-moi. Je m'en vais. Au revoir. Bah quoi? Donc là, on a dit de faire attention. Voilà. On récupère une pierre. C'est toujours plus lourd, une pierre. Ben, j'entends. En fait, je suis même pas sûr de l'entendre encore. Ah, il peut disparaître. Toco, en fait, Toco, il est pas mort. Si je l'entends encore, ou si je l'entends plus. Ah, ça, c'est. Ça, il n'y a que toi qui va le savoir. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'avec le vent qu'il y a, tu sais, je suis sur l'église là, désaffectée là. Ouais, laquelle, tu vas me dire? Celle au milieu du rouge. Je suis bugué. Au début. Et Ouais, je vois. Et en fait, il y avait tellement de vent. Vas-y, Toco. Non, bah, je l'entends plus. Ouais, mais tu fais pas de dégâts, toi. Toi, tu fais des dégâts, toi. Alors, ouais, il y a là... 2, 4... Il y a pas mal de filons de fer, de métal. Je crois que c'est là où on s'est installé... Derrière une église, ouais. Ouais. Non, c'était Elysia, il disait que c'était une des bonnes zones. Ouais, mais... c'est ce que je... Va voir mon chilet, là. Attaque mon chilet. Souffle draconique. Voilà. Voilà. Ah merde, j'ai pas pressé de pierre. Si. Ça, on dirait Batman. Bat
Batman. Du. Batman. Ça a traversé le mur. Non. Est-ce que je suis mort? Peut-être. Donc, tu vois, un coup, moi, je meurs. Voilà. Mais il serait mort avant, quoi. Eh ouais, mais ça, c'est le problème. Hein. Ouais, non, mon pal ferait plus de dégâts. Il serait mort. C'est et puis, j'aurais pas à vivre ça, tu vois. Et quand il fait pas de dégâts, mon pal, c'est une merde, hein. J'ai entraîné des pales à combattre. Mais les pales mourues. Oh, il est pâle morue. Oh, on peut faire un jeu de mots avec pâle et morue. Faudrait que j'envoie ça à la prod. À la prod Camille. Ouais, la prod Camille. Tu connais pas la prod Camille? Ouais. Chez Kamigawa, vous dites ce que vous voulez. Chez Kamigawa, on mange toute la journée. Non, tu connais pas? Non. Il faut toujours signer chez Kamigawa. Hein. Au cas où, si quelqu'un se lance dans le stream, signez Kamigawa. C'est une valeur sûre. Une valeur inoubliable. Arrête, tu vas lui faire gonfler les chevilles. Il est en train de dormir, il entend pas. Bah, pour le moment. Ouais, mais il oubliera. Il regarde pas les rediffs. Suffit qu'il y ait quelqu'un qui fasse un clip et qui lui envoie. Hein. Non, vous ferez pas ça. Hein. Trop tard. Faites pas de clip. Hein. Faut pas dire du bien. Non, c'est vrai, faut pas dire du bien de Camille. Camille, c'est un monsieur méchant. Ouais, Camille, c'est très bien. Déjà, est-ce que c'est un monsieur? Il a dit qu'il était pas humain, hein, je te rappelle. Non, c'est un dromadaire, c'est vrai. Il a une bosse, c'est un dromadaire. Pourquoi tu veux ma mort, toi? Le Felbat. Et en fait, il veut ma mort. Hein. Laisse-moi tranquille! Oh non, mon chile, il a faim. Mange mon chile. Tu l'as bien mérité. Oh là là. Oh. Ah tiens, il y a encore un Vixi. Je me prends deux fois les dégâts de la même boulette. Je suis passé sous la map. Ah, mais bon, là, c'est un jour pour toi, là. Non, on était bien partis. Bon, ben, fin du stream. Merci d'avoir regardé. Moi, je vous abandonne. J'en ai marre, je rage quitte. Au revoir. Ciao. Mais non, c'est... on sait que tu rageras pas. Comment ça? Attention, je peux être un mec qui rage, hein. Bah ouais, tu mettrais du sel un peu. Un petit peu de sel, là. On va assaisonner des pales, là, avant de les manger. Évidemment. Vous m'avez pas connu à mon époque Dark Souls. J'ai fait un donjon tout à l'heure, j'ai trouvé dans un coffre un t-shirt. Et les collecteurs, le t-shirt? Non, c'est un t-shirt bleu ou rouge. Bleu, ce vêtement chaud. Ouais, bah mets-le. Comme ça, quand il ira dans le froid, t'auras plus chaud. Ou on pourra t'appeler au 06 pour les mecs les plus chauds de ta région.
Tu veux les mettre. T'étouffes pas, hein, Valère. Je connais pas mes blagues, merde. Putain, il est tard, les gars. Il est tard. Je connais pas mes trucs de merde. Oh putain. Ah oui, au moins tout ça. Au moins tout ça, ouais. Voilà, attaque mon chile. Mon gelato. Bon. On va espérer que l'attaque ne soit pas buggée. Pourquoi j'ai pas d'arbalète, moi? Non, laisse-moi. Laisse-moi, si je dois partir ou pas. Hein. Laisse-moi mourir. Laisse-moi, je t'ai dit que je veux pas mourir. Mais je suis fou de toi, mon ami Palworld. Ouais, ça rime pas du tout en fait. Regardez, je suis caché. J'attendais que tu t'y attendes. Hein. J'attendais que tu t'en aperçoives. Non, mais j'ai pas chanté. Putain, mais j'appuie pas. C'est... Ouais. Mais je sais très bien que je sais pas chanter. À ton avis, pourquoi je me suis pas inscrit à la Star Academy? Oh, peut-être qu'il y a d'autres raisons aussi. Hein. Ah non, sinon je me serais inscrit à la Star Academy quand même. Tu sais, il y a plein de gens qui savent chanter mais qui s'inscrivent pas non plus. Mais bon, oui, non, mais logiquement, il faut quoi. Non, pas cette attaque de merde. Non, non. Ouh. Ouf. Tout à fait. Mais il veut mon cul là. Oh bah, peut-être hein. Mais arrête de me courser après. Normalement, je vais pouvoir mettre mon deuxième camp. Tam tim tum tam tam. Bon. Est-ce que ça prend tous les trucs? Attends, on va faire un coffre. Stockage. Coffre. Mais sérieux, laisse-moi. C'est bon, parce que tous les trucs sont pris. Ça j'ai bon, ça c'est bon. Alors maintenant, est-ce que
C'est quoi l'invocation qu'il faut faire pour capturer des pales en dessous 3%? Que, comment ça l'invocation? J'ai besoin de faire une invocation. Suffit d'être bon, c'est tout. Voilà, j'étais bon, j'ai failli mourir à cause de ça. Ben voilà. Oh, j'ai failli faire un truc strike-truc. Strike-truc? Je m'en fous, je balance des sphères. C'est la la fli flou fla fla fli fla fli fla flouf. Ah, mais j'ai pas encore un pal qui peut faire le... Oh merde, j'ai pas pensé à ça. Ils sont où? Adieu. Qu'est-ce qui se passe si le camp, je viens de le créer. Il n'y a pas un pal dedans. Et je reçois un raid. Ouais. La piscine de ma femme avait crash à cause de la... Non, de toute façon, la version Game Pass était full buggée. Et pas mal de choses. En sachant que je joue aussi sur Game Pass... Je vois les différences entre les deux versions, quoi. Je mets un tombat. Ah non. Pour miner du fer, il faut une pioche 3, non? Ouais. 2. 2 ça suffit? Ouais, 2 ça suffit. Ok. Je croyais qu'il fallait 3. Je veux tuer le Mamorest. Ah oui. Attaquer le même ennemi que moi. Sérieux, il en a pas marre de me courser après lui. Je te prends chéri là. Mais il t'aime. C'est un bron chéri. Donc il t'aime. Non mais il veut mon cul depuis tout à l'heure. Hein. Réparation d'un AS suivi de réparation sur le monde de Clay pour un PC portable. Ah, ça y est. Enfin, il a arrêté de me courser après. Non mais... Encore ? Non mais t'as une touche avec les mamos... Avec... Ah non, j'allais dire avec les mamores, mais avec les bons chéris. Hein. Attention hein. Non mais en fait, maintenant, les mamores, ils sont nuls, quoi. Ouais, mais bon, si c'est sûr que si tu t'es équipé en fonction... Oh mais en plus il se capture du premier coup. Mais non, les Mamorest. Bah après oui c'est vrai que maintenant les pales sont en tête un peu plus puissants qu'avant. C'est vrai que maintenant, putain, Mamorest, ça c'est vrai que ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Je vais mute 2 minutes le temps de faire des explications. T'inquiète, bah, de toute façon je vais te laisser moi parce que moi je vais m'arrêter là. Donc, ouais, de toute façon pareil, je vais bientôt aussi m'arrêter parce que comme je dis, je dois uploader là les vidéos pour ce soir, moi sur le site. Ouais. Comme ça, c'est fait. Et derrière, attends, je me lève super tôt.
Bon, je me lève en fait pas plus tôt que d'habitude, mais je dois en fait m'exécuter super tôt demain matin. Pas pareil. Comment ça, Goulou? Pas de soucis. Bon, allez, on fait des bisous à vous alors. Des bisous. A plus. Tchou. Et après on va s'arrêter là. Voilà, bon. Hop. Allez, on va s'arrêter là. Hop. Bonne soirée, Kirito. Samuel. Bonne soirée, Kadamana. A plus. A plus. Hop. Bah, merci à tous d'être passés. On va s'arrêter là parce que, bon, ça fait déjà 2h30 que je stream et puis... Et puis, demain, faut que je me lève de bonne heure. Donc, du coup, je préfère. Comme je dis, je préfère live un petit peu tous les soirs, mais pas forcément des gros lives. Mais au moins, on live un petit peu plus régulièrement qu'avant. Du coup, Yuyu, il m'a dit qu'il allait s'arrêter. Mmh. Oh, on va les Red Draco. Ça fait un petit moment, il est sur de l'art. Voilà. Slash Red. Mais non. Dracoval. Hop. Et voilà. Des bisous. Merci. Bonne soirée. Et à demain. Ciao, ciao, ciao. Et alors, c'est fini. La petite banane est partie. Un petit coucou. Et puis, on va, c'est comme ça le monde. Bon trou et pas le visage.